Bonsoir l'Académie du Climat, bonsoir Paris, quel plaisir de vous retrouver, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, nouvelle émission, une émission spéciale, une émission qui s'appelle Démostream. Merci au public d'être venus nombreuses et nombreux ce soir ici à Paris pour cette émission. On est ici, pas n'importe où, on est à l'Académie du Climat. À Paris, l'Académie du Climat, c'est un lieu, en fait c'est l'ancienne mairie du 4e arrondissement, à l'époque ça existait encore, et elle a été entièrement transformée il y a 2 ans pour devenir l'Académie du Climat, un lieu spécial dédié à la question de l'écologie, un lieu dans lequel, alors c'est un lieu, c'est un ovni, hein. C'est fait exprès, j'ai discuté avec sa directrice tout à l'heure, elle a dit on fait exprès de ne pas savoir très bien le définir, parce que justement c'est un lieu d'expérimentation, c'est un lieu de formation, c'est un lieu d'engagement, c'est un lieu où vous, les Parisiennes, les Parisiens, surtout les jeunes, vous pouvez venir trouver plein de ressources. Il y a des assos, il y a plein de trucs, etc. Et on a le plaisir ce soir d'être à l'Académie du Climat pour cette émission Démostream, une émission spéciale en partenariat avec la ville de Paris, une émission qu'on a voulu organiser pour parler de ce sujet ô combien passionnant et ô combien difficile, la démocratie, son avenir, sa crise, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. On va en parler ce soir. On voulait faire une émission avec des invités de qualité que vous allez découvrir tout à l'heure, une émission au cours de laquelle on va se poser la question du diagnostic sur ce qu'on appelle pompeusement très souvent la crise de la démocratie, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, comment, qu'est-ce que quoi. Et aussi une émission sur laquelle on va discuter aussi un peu des solutions, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut expérimenter, qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qu'on peut inventer demain, etc. Ça, on va en parler avec mes invités sur le plateau, on va aussi en parler avec vous, le chat, vous êtes avec nous sur Twitch, ça fait plaisir de vous retrouver, bonsoir à vous le chat, bonsoir aussi à toutes les personnes qui nous regardent en replay sur YouTube, et bonsoir à toutes les personnes qui sont ici à l'Académie du Climat en public, et ça fait super plaisir, vous êtes magnifiques, sachez-le. Je vous le disais, une émission consacrée à la démocratie, on va en parler avec des invités de crayon de qualité, mais avant ça, on vous laisse poser la question. La question la plus difficile finalement, mais c'est quoi la démocratie? Et elle est horrible cette question. Et j'ai décidé donc de torturer quelqu'un pour répondre à cette question. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Phi. Bonsoir Thibault. Bonsoir Jean. Monsieur Phi, c'est ton nom sur YouTube. On t'y connaît sur YouTube puisque tu parles de philosophie. Oui. Ça fait super plaisir de t'accueillir sur ce plateau. Ça me fait super plaisir d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation, même si voilà la question. Je suis désolé, je suis un enfoiré. Donc du coup, je t'ai posé la question, c'est quoi la démocratie? Et je t'ai demandé d'y répondre en quelques minutes. C'est ça, 5-10 minutes. C'est facile. À toi. Vas-y. Bon. C'est parti. Non, mais t'as bien fait quelque part, parce que c'est vrai que les philosophes ont eu le temps de réfléchir à la démocratie depuis 25 siècles qu'on est là, quand même. Hein. Je dirais même, pour être exact, depuis 2422 ans. Parce que... il n'est pas parti le... des petits soucis techniques pour commencer. Il est parti le... Non, ça, c'est la dernière slide. Non, c'est ça, c'est la première. C'est pas grave. Comme ça, vous savez où est-ce qu'on va. Pourquoi depuis 2422 ans? Eh bien parce que Athènes, -399, procès de Socrate, la première démocratie qui condamne à mort le premier philosophe. Donc bravo, ça commence bien, hein? Merci. Ouais. Bon, mais ça va, hein, on n'est pas rancunier, de la ciguë à couler sous les ponts. Et je vais faire une déclaration assez audacieuse pour l'occasion, parce que quand même j'aime bien prendre des risques. Je vais vous dire, la démocratie, voyez-vous, c'est bien.
Ouais. Bravo. Ouais. C'est courageux. Je suis pour. Je dirais même qu'il faut défendre la démocratie quand elle est attaquée. Si elle est attaquée, donc il faut la défendre. Mmh. Et puis, il faut plus de démocratie. Il faut plus de démocratie. Hein. N'ayons pas peur des mots. Bon, ok, c'est pas si audacieux que ça. Tout au contraire, ce sont des banalités sur lesquelles on est a priori tous d'accord. Hein. Qui n'est pas d'accord et veut moins de démocratie ici, là ? Il y a quelqu'un qui veut moins de démocratie ? Qu'il se lève ? On peut le lapider, il n'y a pas de souci. Non ? Bon, ok, on est tous d'accord, il faut plus de démocratie. Hein. Vous voulez tous plus de démocratie. Très bien. Ah, dommage, le son n'est pas là. Démocratie, pas moins de démocratie. Je suis quelqu'un qui veut plus de démocratie, pas moins. Je veux plus de démocratie, pas moins de démocratie. Elle l'a dit plusieurs fois. Ah ouais, ouais. Donc, vous êtes tous d'accord avec Marine Le Pen. Donc ça, c'est bien. Bravo. C'est beau. Mais évidemment, bon, tout ça ne marche que parce que c'est très, très indéterminé ce qu'on veut dire par défendre la démocratie, plus de démocratie, etc. Si je demandais à chacun d'entre vous et à Madame Le Pen éventuellement de préciser les conditions nécessaires et suffisantes de ce plus de démocratie, vous vous apercevriez sans doute que vous n'êtes pas vraiment, voire pas du tout d'accord les uns avec les autres. Finalement, on pourrait dire que c'est l'indétermination du sens qui crée l'illusion de l'accord. Ouais, j'avais envie de faire une phrase un petit peu chiadée comme ça. Ouais. J'aime bien appeler ça un accord purement verbal, un accord sur des mots en dépit du désaccord sur leur sens. Et c'est très commode en politique, les accords purement verbaux, puisque c'est difficile de mettre d'accord des gens qui ont des idées différentes et qui n'aiment pas en changer. La plupart des gens n'aiment pas changer d'idée. Du coup, c'est beaucoup plus simple de les mettre d'accord avant tout sur des mots assez vagues, juste assez vagues pour exprimer ces différentes idées. Et donc, démocratie, c'est parfait pour ça, parce que c'est plein de bonnes connotations. C'est comme liberté, égalité, et ça sonne bien, quoi. Et on pourrait dire que ce sont des mots dont on entend la connotation positive avant d'entendre leur sens. On sait que c'est bien avant même de savoir exactement ce que c'est. Ouais, c'est pratique du coup. Mais allez, on va être chiant aujourd'hui, si tu m'as demandé. Ouais. Donc on va essayer de définir quand même plus précisément ce que c'est que ça, la démocratie. Si je vous demandais, là, si je faisais un petit tour de table, je parie que j'aurais droit tôt ou tard à cette belle formule qui marche très bien en citation sur fond noir à publier sur Facebook. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. Pour le peuple. C'est classe. Hein. Et là, mes capacités d'analyse de philosophe assez surhumaine me permettent de déterminer que le mot peuple dans cette phrase est assez important. Si. Ouais. Je te vois un petit peu sceptique, mais si. Mais alors, qu'est-ce que le peuple, vous me direz, du coup ? Eh ben, c'est très simple, c'est ce qui gouverne dans une démocratie. Voilà. Et donc, ça, c'est un exemple de définition circulaire. Et normalement, il y a une petite animation circulaire. Voilà. Non, ça s'est pas vu. Oh, dommage, j'avais fait une petite animation pour. Non, elle était vachement bien ton animation, voilà, Thibaut. Ah, non, j'ai adoré. Bon, donc c'est une définition circulaire, donc ça ne nous avance pas beaucoup. Et si vous aviez remarqué ce sophisme dans la salle, vous avez un point Z. Bravo. Mais il faut dire que c'est pas évident de définir le peuple dont il est question quand on parle de démocratie en général. Parce que le mot démocratie aujourd'hui, on en a un usage très protéiforme. Hein. On l'utilise dans plein de contextes où il n'est pas vraiment question d'un peuple, en fait. En tout cas, pas au sens strict. Hein, on dit souvent il faut mettre plus de démocratie dans X ou Y. En fait, on peut le dire pour quasi n'importe quoi. Ça fait toujours bien. Par exemple, là, je vais dire, il faut mettre plus de démocratie dans tes lives, dans les lives de journalistes. Ouais, c'est important. Ouais, plus de démocratie. Ah, c'est important la démocratie. Il en faut plus. Hein, on a dit. Marine Le Pen est d'accord. Donc voilà. Mais donc, si on peut parler de démocratie dans les lives de Jean Massier et que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, alors il doit y avoir un peuple des lives de Jean Massier. Alors pourquoi pas, on pourrait dire, c'est peut-être vous ici, le public, ou le chat, encore mieux. Mais vous conviendrez que ce n'est pas exactement un peuple au sens où on parle de peuple en général. Hein. Le peuple de cette démocratie, ce serait bien défini avant tout comme ce qui gouvernerait les lives de Jean Massier, si les lives de Jean Massier étaient vraiment une démocratie. Donc, quelque part, oui, c'est circulaire. Je t'accuse pas, hein, c'est pas grave. Et s'ils étaient gouvernés surtout, mais ouais, vas-y. Alors bien sûr, quand on parle de démocratie en un sens plus étroit, on la pense avant tout à l'échelle d'un État, et là ça a plus de sens de parler de peuple, et encore, ça pourrait se discuter, parce que c'est jamais vraiment toute la population qui est concernée, en fait. Mais bref, quoi qu'il en soit, je trouve intéressant de chercher quand même une définition de démocratie qui s'accorde mieux avec cette façon large et fluide dont on est venu à utiliser ce terme. Et du coup, on va un peu s'écarter de cette démocratie, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, dans le peuple, sous le peuple, etc. Et comme je voulais une définition qui fasse à peu près consensus, j'ai jeté un coup d'œil à la Stanford Encyclopedia of Philosophy, qui est un petit peu la bible des chercheurs en philosophie, c'est très pratique. Il y a un gros article démocratie, justement, ça tombe bien. Et cet article donne au départ cette définition qui me semble bien capturer ce côté protéiforme de la notion de démocratie. Je vais vous la lire, elle s'est déjà affichée. Le terme démocratie désigne très généralement une méthode de prise de décision collective caractérisée par une forme d'égalité entre les participants à une étape essentielle de la prise de décision.
Et notez que du coup, dans cette définition, alors il y a un côté vague effectivement, mais ça capture bien la façon vague dont on utilise le terme démocratie, je pense. Et notez que du coup, cette définition, elle peut s'appliquer à des choses comme la démocratie dans les lives de Jean Massier, parce que, par exemple, si c'était le chat qui vote la vie ou la mort des chroniqueurs, par exemple. C'est une idée, je sais pas, je propose. Je note. Ce serait une méthode de prise de décision collective, effectivement, dans laquelle les participants ont une forme d'égalité, puisque chacun a un vote et pas plus. Donc c'est bien, c'est démocratique. Et puis c'est comme ça qu'on a buté Socrate, donc quelque part, on est même dans la tradition de la démocratie, et ça, je trouve ça bien. Alors, quelques remarques sur cette définition. Déjà, plutôt qu'une référence à un peuple, il est question d'une forme d'égalité entre les participants. Et cette forme d'égalité, alors qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être le principe une personne, une voix dans un vote, mais c'est pas forcément ça. D'ailleurs, il n'y a pas non plus de référence spécifique au vote dans cette définition. En fait, cette forme d'égalité, ça peut être autre chose. Ça pourrait être, par exemple, aussi un tirage au sort. Je me suis perdu dans mon texte. Où est-ce que je... C'était sur le tirage au sort. Tirage au sort, où chaque participant a la même chance d'être choisi. Donc voilà, il y a cette égalité dans l'égalité de chance. Historiquement, d'ailleurs, la démocratie, notamment la démocratie athénienne, reposait beaucoup sur le tirage au sort. C'était ça le procédé démocratique par excellence. Pendant longtemps, l'élection n'était pas spécialement vue comme plus démocratique que ça. Donc la Convention citoyenne sur le climat, par exemple, dont on a parlé il y a quelques temps, qui était composée de 150 personnes tirées au sort, c'était bien démocratique de ce point de vue-là. Par contre, ce qui était moins démocratique, c'est qu'en fin de compte, elle n'avait pas vraiment de pouvoir pour prendre effectivement des décisions. Hein, il n'y a pas que le démos dans la démocratie, donc démos, le peuple en grec, vous le savez. Il y a aussi le kratos, le pouvoir. Petit point étymologie, il fallait bien le faire à un moment. Voilà, c'est fait. Ouais. Aussi, pour revenir à cette définition, il n'est pas question dans cette définition d'élire des représentants, vous aurez remarqué. Hein. D'ailleurs, selon cette définition, alors oui, l'élection d'un représentant, on peut dire que c'est démocratique puisque c'est une prise de décision avec une forme d'égalité entre les participants, une personne, une voix. Mais ensuite, la méthode de prise de décision qui consiste en gros à juste laisser le représentant décider, eh ben, ça ne satisfait pas de façon évidente la définition. Il faut un peu tordre la définition pour dire que ça la satisfait. Et c'est pas forcément un défaut de la définition, peut-être que ça révèle peut-être un problème de la démocratie représentative, justement. Enfin, dernier point, cette définition, elle n'est pas normative. C'est-à-dire qu'elle ne pose pas que la démocratie, c'est bien. C'est juste une définition qui décrit un certain type de méthode de prise de décision. Et la question normative, elle reste ouverte. Et du coup, c'est intéressant de se la poser quand même. Pourquoi ce type particulier de méthode de prise de décision est vraiment jugé bien ? Quels seraient les arguments pour ça, au-delà de l'évidence ? Bah oui, c'est la démocratie, c'est bien, on le sait. Alors, j'arrive au bout de cette chronique, c'est une question extrêmement difficile, bah oui. Presque encore plus difficile que la question que tu m'as posée. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre en 2 minutes, mais je vais quand même lancer quelques pistes. Ça va être rapide, t'inquiète vas-y, pas. Vas-y. Il y a 2 grands types d'approches pour répondre à une question de ce genre. Une approche instrumentale et une approche non instrumentale. Eh oui. Bon, alors, ça veut dire quoi ? Alors, c'est une distinction qui est très utile pour plein de questions, d'ailleurs, donc c'est bien de le connaître. L'approche instrumentale, ça consistera à dire, si on veut de la démocratie, c'est pas parce que c'est une fin en soi, mais juste parce que c'est utile, comme un instrument pour atteindre quelque chose d'autre. Et donc, la justification de la démocratie dépendrait aussi de la justification de cette autre chose qu'on vise. Donc, par exemple, on peut soutenir que les procédés démocratiques sont justifiés de façon instrumentale parce que ça permet de prendre de meilleures décisions du point de vue de l'intérêt général ou du point de vue du respect des libertés. Ou encore, on peut dire que ça a des effets bénéfiques sur l'éducation et l'autonomie des individus, etc. Enfin, il y a toutes sortes de façons de l'argumenter. Mais ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est que ça revient à dire que la démocratie, c'est pas bien en soi, c'est seulement bien comme instrument, comme un outil. Et donc, si on se rend compte que finalement, non, c'est pas un si bon instrument pour les choses qu'on vise, tout compte fait, on a de meilleurs outils pour obtenir ça, et des outils qui ne sont pas forcément démocratiques, et ben, on serait tenu à préférer ces autres outils. Et du coup, la démocratie, non, c'est pas plus, c'est pas ouf, quoi. Et peut-être ça vous hérisse un petit peu, et du coup, vous préféreriez peut-être une approche non instrumentale pour défendre la démocratie. Donc dans ce cas, l'idée, c'est de dire que la démocratie, c'est pas juste un outil, c'est aussi une fin en soi, indépendamment de ce à quoi elle peut être utile. Par exemple, on pourrait tenir à un principe d'égalité, ce serait une fin en soi d'instaurer un maximum d'égalité, et ça justifierait de façon non instrumentale la démocratie en tant que mode de prise de décision qui respecte ce principe d'égalité. Donc de façon un peu schématique, on peut dire que les justifications non instrumentales regardent du côté des principes moraux que la démocratie incarne ou respecte, tandis que les justifications instrumentales regardent du côté des conséquences du fonctionnement démocratique. Voilà. Donc, est-ce que plus de démocratie dans le live de Jean Massier est justifié parce que c'est une fin en soi de donner le pouvoir au chat ? Je sais pas, manifestez-vous dans le chat, peut-être. Ou bien parce que ça permettrait de prendre de bonnes décisions, parce que, par exemple, ça permettrait de me condamner à mort pour que j'arrête ma chronique. Évidemment, c'est toujours comme ça que ça se termine en démocratie depuis 2422 ans. Bravo ! Merci, Monsieur Phi, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Monsieur Phi, pour cette chronique extraordinaire. Ça y est, on a déjà à réfléchir avec cette définition, cette tentative de définition
de la démocratie, notre problématique aujourd'hui sur ce plateau. Bonsoir à vous, si vous nous rejoignez, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre sur Twitch. Vous êtes aussi de plus en plus nombreuses et nombreux dans cette salle, ici à l'Académie du Climat à Paris pour cette émission spéciale. On va continuer à parler de démocratie, on va s'interroger sur la question de savoir si notre démocratie est bel et bien en danger. Et pour ça, j'invite à me rejoindre sur ce plateau de très belles personnes qui ont accepté de venir échanger avec moi sur ce sujet. Et on va commencer par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Bonsoir Anne Hidalgo, merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. On continue, vous allez être rejoint tout de suite par un politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. J'invite à nous rejoindre sur ce plateau, Bruno Cotterès. Et pendant que Bruno Cotterès s'installe, j'invite également à nous rejoindre sur ce plateau la journaliste que vous connaissiez sur YouTube, sur la chaîne What the Fake, fondatrice également du projet Citizen Facts, Aude Favre. Et on continue, vient également nous rejoindre sur ce plateau que j'invite à venir, la secrétaire générale du syndicat national des journalistes Île-de-France, Laetitia Gérolami. Et enfin, pour discuter avec nous aussi, l'ancien secrétaire général de la CGT, j'invite à nous rejoindre Philippe Martinez. Ça c'est du plateau mes amis, très heureux de vous accueillir, merci, bienvenue dans cette émission tous les cinq. On va essayer ensemble de se poser cette question difficile, la question de la démocratie et surtout de est-ce qu'elle est en danger ou pas. Je commence par me tourner vers vous, Anne Hidalgo, vous avez entendu Monsieur Fille dans sa chronique se poser la question de la définition de la démocratie, c'est difficile, et vous alors à Paris, est-ce que vous avez trouvé la réponse ou est-ce que vous cherchez encore? On cherche encore et on cherchera toujours. Non, la démocratie est vraiment en danger, je pense que... si elle est trop instrumentale, on pourrait lui préférer, par exemple, des conseils d'administration des entreprises. On pourrait nous dire, finalement, on pourrait gérer les affaires humaines d'une façon plus efficace. Un conseil d'administration, ça permet, finalement, de ne pas demander son avis à tout le monde et d'être efficace. Ce n'est pas du tout mon point de vue, évidemment. Donc, je pense qu'elle est en danger. Elle est à redéfinir. En même temps, il faut retrouver le goût de cette démocratie. Et pour moi, c'est... sans doute la meilleure façon de faire ensemble, en utilisant la parole, en utilisant quelque chose de pacifique et en évitant de passer par la violence. Et peut-être, pour moi, la meilleure définition de la démocratie, c'est peut-être Martin Luther King qui l'a donnée lorsqu'il dit « Il vaut mieux vivre ensemble comme des frères que mourir ensemble comme des idiots ». C'est pas mal, c'est pas mal. Martin Luther King, non, c'est effectivement une bonne définition. Bruno Cotterès, je le disais, vous êtes chercheur, vous vous intéressez, vous, à ces questions-là, vous regardez, vous sondez aussi un peu les âmes des opinions publiques et des Français. Bon, c'est galvaudé au possible, quand je vous dis crise de la démocratie, c'est vu et revu, mais vous, vous le mesurez, ça? Oui, alors c'est peut-être vu et revu, peut-être c'est un problème depuis toujours. Au fond, peut-être c'est peut-être quelque chose qui est inéluctable en démocratie, et peut-être nécessaire d'ailleurs à la bonne démocratie, qui est que... La tension, les différentes tensions, les différentes insatisfactions peuvent servir aussi à améliorer la démocratie. Mais effectivement, on voit depuis quelques décennies, ça ne date pas juste d'il y a ces dernières années, on voit depuis quelques décennies s'accentuer à la fois les tensions sur le sens de la démocratie et certains courants politiques qui viennent même contester le principe même de la démocratie en disant « c'est une belle idée, mais elle ne marche pas ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend parfois dans le débat public, de gens qui vont dire « ça serait magnifique, le beau principe, si seulement il pouvait marcher, mais comme ça ne marche pas, il faut des choses plus efficaces, que ça aille plus vite, qu'on trouve des solutions. Au fond, est-ce qu'il faut vraiment demander son avis à tout le monde pour que ça fonctionne? Est-ce qu'il faut prendre le temps ?» Et il y a véritablement deux thèses qui se confrontent de ce point de vue-là. Certains qui disent « voilà, on n'a pas le temps, il faut que des professionnels s'en occupent, des experts, et puis il faut qu'ils agissent, après tout on les paye avec nos impôts pour qu'ils fassent le job. » Et d'autres qui vont dire « mais non, la crise est tellement profonde qu'il faut aller maintenant en profondeur, il faut surtout miser sur le renouveau démocratique et la part
d'envie de participer au débat qu'il y a chez chacun de nous, parce que chez chacun de nous, ouais. il y a l'envie profonde de dire son point de vue et que son point de vue soit entendu, respecté. Et dernier point, j'aime bien ce qu'a dit la maire de Paris, c'est-à-dire effectivement cette idée que les institutions de la démocratie permettent de calmer, de canaliser les passions humaines. C'est le rôle des institutions, fondamentalement. Quand on parle de démocratie spontanément, si j'avais parlé avec le chat de démocratie spontanément, on serait allé vers le système politique. On m'aurait tout de suite parlé de partis politiques, d'élections, de candidats, d'élections présidentielles, parce qu'on parle souvent de celle-là et moins des autres. Mais il y a toute une autre démocratie dont on parle peu, voire on ne parle pas du tout. Et moi, le premier, d'ailleurs, je plaide coupable, c'est la démocratie sociale, la démocratie dans le monde du travail. Philippe Martinez, vous avez été 8 ans à la tête de la première centrale syndicale de ce pays. C'est quelque chose que vous connaissez, la démocratie sociale, et est-ce que vous constatez, comme moi, la difficulté qu'on a à en parler et à la poser au milieu de la table quand on parle de démocratie ? Oui, oui, bonsoir à toutes et à tous. La démocratie sociale, on n'en parle jamais parce qu'on considère qu'on peut utiliser les syndicats quand ils sont d'accord, et puis quand ils ne sont pas d'accord, eh bien, on n'a pas besoin d'eux. Et je crois que dans la dernière période, on a vu comment ça marchait, quoi. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Et moi, je pense que la démocratie, qu'elle soit en politique, et je viendrai sur les entreprises, ça ne peut pas être voté pour moi, je m'occupe de tout. Il faut régulièrement que cette démocratie, elle vive. Et la période que nous avons vécue dans le premier semestre montre que ça ne peut pas fonctionner comme ça, la démocratie. Ce n'est pas un monsieur, aussi brillant soit-il, qui est capable de décider à la place des gens de ce qui est bien ou pas bien pour eux. Donc il faut que régulièrement, les gens puissent donner leur avis, y compris en manifestant. La deuxième chose, c'est dans les entreprises. Il n'y a pas de démocratie dans les entreprises. Un PDG, il est élu par des actionnaires, pas par les salariés. Or, c'est les salariés qui produisent, ou pas d'ailleurs, les produits fabriqués en entreprise. Et les salariés, quand ils ne sont pas d'accord, ils ont un seul choix. Soit de se barrer... Et un autre choix qui est moins bien, se faire virer, se faire licencier. Et bien là aussi, il faut redonner du pouvoir aux salariés dans les entreprises qu'ils puissent décider si tel ou tel produit, je pense aux questions environnementales, par exemple, est bon ou pas bon pour la planète, est-ce qu'on peut le faire autrement ? Donc c'est ces deux leviers-là. Or, si la démocratie politique est gravement menacée à cause, je pense, d'un personnel politique, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais qui réagit trop souvent en disant « maintenant que je suis élu, je fais ce que je veux, moi je sais et vous m'écoutez », mais aussi dans les entreprises, parce que sinon, on va philosopher sur la perte de sens du travail. Or, c'est une vraie réalité. Les gens au boulot, pour ceux qui en ont, évidemment, ils veulent donner leur avis sur ce qu'ils fabriquent, sur ce qu'ils conçoivent. Quand on parle de démocratie, on parle de débat démocratique, on parle d'une vitalité, d'une vie intellectuelle où les idées doivent pouvoir s'échanger, et c'est là qu'intervient ce quatrième pouvoir que sont les médias, dans leur sens premier, la médiation qui permet l'échange, qui permet la discussion. Laetitia Girolami, je le disais, vous êtes syndicaliste du SNJ, du Syndicat National des Journalistes. Les journalistes, les médias sont un moteur essentiel de la vie démocratique. Comment est-ce que vous appréhendez cette responsabilité très particulière ? On est à un passage de relais. On est, en tant que journaliste, on est aussi au début de l'information. On est là pour informer, pour être informé. On est là pour partager. Regardez ce soir, c'est de la démocratie. On est face à vous, on est tous là pour échanger. C'est déjà un grand bonheur. Vous avez des pays qui ne vont pas permettre aux journalistes d'être face à vous et d'échanger avec vous. On est un collectif, nous sommes avant tout des êtres humains, on a besoin d'échanger, on a besoin d'être fédérés sur une cause commune, le climat, entre autres. Et on est là, nous, journalistes, pour vous passer par rapport à une information que nous sommes allés chercher, que nous sommes allés vérifier, on est là pour vous la livrer. Après, à vous de faire votre opinion. Hyper important, effectivement hyper important. Aude, toi aussi, je te tutoie parce qu'on se connaît très bien, Aude, toi aussi, la défiance dont on parlait, c'est quelque chose que tu connais, c'est quelque chose que tu explores puisque tu as mené tout un travail, que tu continues d'ailleurs autour de la question de la désinformation, qui devient un mot dont on parle énormément. C'est quelque chose que tu appréhendes comment dans cette crise de la démocratie, la désinformation ? Je crois que je vais juste rebondir sur, ce que vous avez dit, Laetitia. Sur ce que tu as dit, c'est vrai que les journalistes sont là pour livrer l'information. Je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'on est dans une crise de défiance qui est telle que ça devient, en tout cas pour moi, mon petit constat, c'est que ça devient trop
trop tendue quelque part, d'œuvrer comme ça et qu'il faut co-construire l'information. Moi, je crois vraiment à ça. Je pense que c'est le journalisme de demain, la construction de l'information. Il y a plus de 1500 personnes qui ont rejoint un serveur qui est de la rédaction collaborative que j'ai montée. On enquête ensemble. Et je vais vous dire un truc, je ne veux plus enquêter qu'avec des gens qui sont assistants maternels, qui sont... Il y a vraiment toutes les professions, jardiniers, il y a quelqu'un qui travaille dans les centrales nucléaires, et tous ensemble, en fait, il y a un énorme appétit pour faire vivre cette démocratie de la part des gens, mais comment œuvrer contre la désinformation? Parce que c'est vrai que moi, j'ai construit ma chaîne YouTube comme ça. Comment œuvrer contre ça quand, quelque part, on n'est pas journaliste, on ne sait pas trop? Eh bien, je pense qu'il faut trouver des canaux. Et c'est ce que j'essaye de faire dans cette série avec Babel Doc. C'est une série qui sera diffusée sur Arte prochainement. C'est de trouver un canal pour que les gens puissent enquêter, les armer, pour faire essaimer plus d'esprit critique et pour aussi... Je sais qu'il y a quelques personnes dans la rédaction citoyenne, par exemple, qui, depuis, écrivent dans leurs journaux d'entreprise, par exemple. Commencent à enquêter un petit peu sur deux, trois choses, vont faire du contradictoire auprès de leur patron, d'ailleurs. J'ai eu des retours comme ça, en disant, mais en fait, donner le goût de l'enquête. Je trouve que c'est vraiment très important et qu'il y a beaucoup de gens qui sont en appétit de ça, mais qu'on ne leur donne pas assez. Cette occasion-là. On le disait tout à l'heure, la démocratie, ça fonctionne aussi avec des institutions, avec des rituels, avec des votes, notamment. On parle beaucoup des votes et des élections, on adore ça. Moi, le premier, j'en fais des émissions pendant des heures. Mais il n'y a pas que ça. Et notamment, au niveau local, Paris est une ville particulière du point de vue de la démocratie. Alors, on pourrait épiloguer pendant des heures sur les 200 ans d'histoire depuis la République. Beaucoup de choses sont passées à Paris. Mais depuis plus récemment que ça, ça fait quelques décennies maintenant que Paris... expérimente d'autres méthodes démocratiques, les comptes rendus de mandat, les conseils de quartier, les budgets participatifs, les votations citoyennes. Comment est-ce que vous pensez cette question, la démocratie, Anne Hidalgo, dans une ville comme Paris, 2 millions d'habitants quand même ? 2 millions d'habitants est indispensable de faire ainsi, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se dire on est élu tous les 6 ans et puis voilà, on nous a remis un pouvoir et on reviendra vers vous et à vous de juger dans 6 ans. Ça ne marche pas comme ça. Et puis on a envie d'abord aussi d'être nous-mêmes inspirés. Ce qu'on fait, on s'inspire des pratiques des gens, des pratiques sociales, des pratiques de vie des gens. On invente ceux qui pensent qu'ils inventent tout seuls, mais ils se plantent complètement, ou alors ce sont des sociopathes. Nous, on est dans... Je voulais viser personne, mais c'est une des définitions des sociopathes. Donc, ici à Paris, on sait bien que si on veut faire vivre, avoir des bonnes idées, relever des défis, surmonter les épreuves, comment on surmonte l'épreuve des attentats, comment on surmonte des épreuves comme le fait qu'on ait tous vécu complètement fermés pendant la période du Covid. Comment on surmonte toutes ces épreuves humaines si ça ne passe pas à un moment donné par la parole et l'échange de nos expériences et des solutions? Donc oui, depuis des années, on a commencé modestement avec des conseils de quartier, puis on s'est dit, bon, il y a une espèce d'institutionnalisation quand même assez vite, hein, des gens qui prennent la parole pour les autres, et puis qui après, bon, un peu les politiques aussi, ne veulent plus la lâcher. S'est dit, on va essayer d'aller vers des votations citoyennes, on a fait le budget participatif. Aujourd'hui, on fait aussi une assemblée citoyenne tirée au sort, qui travaille, qui a vraiment toutes les portes ouvertes à l'hôtel de ville pour enquêter, expertiser, faire des propositions et faire voter au conseil municipal de Paris ces propositions. Donc on essaye, parce que la démocratie, ça meurt si on ne s'en sert pas. Voilà. Et donc il faut s'en servir, c'est très imparfait, on n'a pas les solutions toutes faites. Mais c'est dans le frottement, en fait, entre les gens, de leurs idées, de leurs désirs, de leurs envies, de leurs angoisses, de leurs colères. C'est là-dedans qu'on essaye de trouver des chemins, mais toujours avec cette idée que le chemin doit se faire dans la pacification des relations et dans le respect. On a le droit de ne pas avoir les mêmes idées, les mêmes opinions. On a vraiment le droit. Mais aussi, il faut reconnaître que son idée ne peut pas s'imposer à tout le monde si elle n'a pas été échangée, si elle n'est pas portée par d'autres que soi. Voilà. J'entends aussi souvent une objection sur le débat démocratique, c'est cette idée selon laquelle il y a des sujets qui seraient trop compliqués pour être versés au débat public, parce que c'est technique, c'est subtil, c'est complexe,
Et je me tourne vers vous, Philippe Martinez, parce que c'est typiquement le genre de truc qu'on peut entendre sur un système de retraite. Le droit du travail, c'est complexe, vous comprenez, si on commence à en débattre, etc., c'est l'enfer. Qu'est-ce que ça dit de notre manière de penser aux... Moi, j'ai l'impression que c'est prendre les gens pour des cons, mais ça m'intéresse. C'est exactement ça. Non, mais voilà. Quand on a envie de faire avaler quelque chose de pas frais aux gens, ben on leur dit que c'est trop compliqué pour eux, qu'ils peuvent pas comprendre, donc il faut qu'ils écoutent ceux qui savent. En général, ceux qui savent, c'est toujours les mêmes. Je reviens en retraite, mais c'était ça. Au début, c'était trop compliqué pour les gens. Et donc, on va vous expliquer ce qui est bien ou pas bien pour vous. Je pense que la démocratie, elle doit d'abord se reposer sur de l'échange, sur du débat et sur de l'éducation. Ouais. Tout le monde est capable de comprendre si on lui explique bien. Donc, partons de ça. Et donc, moi, je me méfie toujours des experts ou des prétendus experts. Mm. Et on en voit beaucoup dans les médias, par exemple, ceux qui s'auto-proclament experts et qui vous expliquent. Moi, je connais des gens qui sont capables de vous expliquer votre vie. Oui, c'est ça. Ah, mais ils connaissent rien de vous, mais ils sont capables de vous expliquer ce qui est bien ou pas bien pour vous, donc votre vie. Eh bien, la démocratie, elle doit s'appuyer, alors ce que tu disais, mais d'abord par des échanges, des débats. Et on a bien vu que quand les gens, quels qu'ils soient, on a commencé à leur expliquer concrètement ce que la réforme des retraites allait avoir comme conséquence dans leur vie, ils ont tout de suite compris. Et c'est pas compliqué. S'appuyer sur le vécu, c'est pas compliqué. Et donc, faut toujours se méfier de ceux qui essayent de vous expliquer comment, ce qui est bien ou pas bien pour vous. Et donc, je pense que, y compris dans les entreprises, ça devrait être comme ça. Voilà, on fait un produit, on devrait discuter comment le produire, où le produire, de quelle façon. Et pas uniquement regarder combien ça va rapporter. C'est ça la démocratie. Et donc derrière la démocratie, c'est ça la citoyenneté, et qu'elle soit dans la cité ou dans l'entreprise. Et je le répète, dans l'entreprise, la citoyenneté, elle reste souvent à la porte de l'entreprise. Oui, c'est vrai. On a parlé d'éducation et de la nécessité justement de ne pas avoir peur d'apprendre, y compris la complexité des sujets. Et parmi les sujets les difficiles, on a parlé des médias. Ça aussi, c'est compliqué, les médias, la fabrique de l'information. Je voudrais appeler un témoignage de Lucie Berland. Lucie Berland, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Elle est là. Hop, elle est là. Lucie, bonjour. Est-ce que tu peux venir te mettre juste derrière le pupitre qui est ici? Ah, vas-y. C'est Lucille. Excuse-moi, Lucille, pardon, j'ai mal lu. En plus, c'était écrit Lucille, je suis désolé. Lucille Berland, tu es la cofondatrice d'une association qui s'appelle Fake Off et qui fait de l'éducation aux médias dans les établissements scolaires. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette éducation aux médias? Attends, il faut que je te file un micro. Attends, bouge pas. Non, va. Merci. Je vais mettre à côté de toi en plus, regarde. Hop là. Vas-y. Alors oui, Fake Off, c'est une association qui existe depuis quelques années maintenant, depuis on va dire 5 ans, sur une idée d'Aude Favre à la base, donc je rends à César qui est là, ici. Il n'y a pas de complot ce soir. Et il n'y a pas de complot. On est une asso de journalistes et on fait de l'éducation aux médias dans les écoles, dans les médiathèques, les bibliothèques, dans les prisons, un peu partout. Alors ça veut tout et rien dire, éducation aux médias, on n'éduque pas les gens à devenir journalistes, on ne prêche pas spécialement pour notre paroisse, on ne cherche pas à ce que tout le monde devienne journaliste. Mais simplement, on donne des clés de décryptage de l'information, de la fabrique de l'information, de la fabrique de la désinformation aussi, aux jeunes, essentiellement aux jeunes, c'est la majorité de notre public. Et ça marche vachement bien. Il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de demandes. Alors, tu dis que vous essayez pas de fabriquer des petits journalistes, et pourtant, vous avez une méthode pour leur expliquer, pour les éduquer aux médias, c'est que vous leur apprenez à faire par eux-mêmes des enquêtes. Tu fais enquêter des enfants pour qu'ils comprennent par eux-mêmes les mécanismes. C'est intéressant, c'est ça. Comme méthode. Ouais, c'est vraiment par le faire, de toute façon, apprendre par le faire, donc en se posant des questions, en menant l'enquête. Donc nous, la méthode, on va dire la sauce Fake Off, ce qui nous différencie un petit peu de peut-être d'autres associations, c'est qu'on leur fait faire et on part toujours d'eux, de leur pratique, de leur consommation de l'information, de leur rapport à l'information, qui est beaucoup moins, on le sait, par exemple, aujourd'hui, beaucoup moins écrit, beaucoup moins de lecture, beaucoup moins d'écrit, beaucoup plus vidéo. Ouais. Ils sont sur des canaux que nous, et j'ai que 15 ou 20 ans de plus qu'eux, que les générations du dessus ne connaissent pas et ne côtoient plus.
Donc en fait, ils nous en apprennent autant sur nous et sur l'information aujourd'hui que nous, on peut leur en apprendre. Mais en tout cas, on leur communique des méthodes, des outils, et on fait avec et on les fait enquêter comme nous. Sur des sujets qui les intéressent eux, avec leurs sujets de prédilection, leurs canaux, mais avec des méthodes qui sont celles des journalistes. Et qu'est-ce que ça produit chez eux ? Tu vois la différence entre le début et une fois qu'ils ont fait l'enquête ? Qu'est-ce que ça fabrique chez eux de changement de regard sur la méthode de la fabrique de l'information ? Ou alors ça marche pas ? Alors, ou alors il n'y a rien qui marche et ça fait 5 ans qu'on ravache dans le vide et qu'on forme des milliers de jeunes. Non, globalement, les retours qu'on a sont hyper positifs. Après, la journaliste d'investigation que je suis a tendance à dire on n'a pas de données. Tu vois, c'est quelque chose qui est impossible à mesurer. C'est-à-dire que je n'ai pas un tableau avec l'enfant transformé avant ou après, avec la petite barre qui mais se remplit. Mais les retours d'expérience. Mais les retours d'expérience que moi j'ai et qu'on a tous, parce qu'on est une cinquantaine de journalistes à faire des interventions régulièrement sur le terrain, et des profs et des élèves sont hyper bons. Et je pense que ça modifie et leur rapport à l'information en général et à tout ce qui est amené à leur arrivée, en fait, parce que c'est hyper large le thème de l'information. C'est pour ça que je dis qu'on ne veut pas en faire des journalistes. Ouais. C'est que ça transforme quasiment tout leur rapport à, parfois aux autres, je leur dis souvent, mais en fait, ce qu'on vient faire là, ça va autant vous servir en tant que citoyen plus tard dans les rapports à vos profs, à vos camarades de classe, à votre futur potentiel chéri, à votre futur employeur, etc. Parce que quand on sait poser des questions, quand on sait ce que c'est qu'un angle, quand on apprend ce que c'est que vérifier une source, c'est des choses qui sont utiles tout le temps et qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Parfois oui, ça se fait de plus en plus, c'est des initiatives assez éparses, mais de plus en plus ça rentre dans les programmes, etc. Mais voilà pourquoi on est là et on voit vraiment l'évolution avec le temps. Et donc vous, avec l'association FECOF, vous travaillez particulièrement avec le public des enfants, des élèves, des scolaires. Est-ce que tu ne penses pas parfois que les vieux aussi, ils auraient besoin d'éducation aux médias ? Mais carrément. C'est pas une balle perdue, il n'y a pas de mal à être vieux. Mais bien sûr que si, parce que ça pourrait être un cliché de se dire que justement, les vieux, on vient pour ramener notre science et apprendre aux jeunes à s'informer. Mais comme je le disais au départ, en fait, eux, ils ont énormément à nous apprendre aussi. Nous, il y a plein de canaux qu'on ne connaît pas, qu'on n'utilise pas. Il y a des méthodes et des outils qu'ils maîtrisent bien mieux que nous. Et ils sont, je pense, beaucoup moins perméables à ce que moi je pensais au départ et à ce que généralement le grand public projette sur ces jeunes. Donc on a plein de choses à leur apprendre, ça c'est sûr. Mais c'était quoi ta question exactement ? Ma question c'est, est-ce que les vieux auraient pas besoin ? Oui, voilà, et les vieux, si, bien sûr. Et donc c'est pour ça qu'on fait aussi ça auprès de, alors pas de vieux, mais d'adultes, tout simplement, de majeurs. Donc on intervient en prison, en centres sociaux, en mairie, en médiathèque, partout. On fait de la formation d'encadrants, d'associations qui elles-mêmes après vont reproduire la méthode FECOF. Mais bien sûr, c'est ouvert à tout le monde et on part pas du tout du principe que les jeunes sont plus désinformés ou plus sujets à ça que... Voilà, mais tout s'apprend. Et bien s'informer, ça s'apprend aussi. Et donc, c'est une association qui s'appelle FECOF. Un tonnerre d'applaudissements pour Lucille Berland. Merci, Lucille. Je retourne m'asseoir. Attendez. Merci beaucoup, Lucille, pour ce témoignage, sur l'activité de l'association FECOF. Oui, c'est possible de faire de l'éducation aux médias. Oui, c'est possible de changer le regard des gens. Et en même temps, je dis ça avec beaucoup de facilité. Bruno Cotteresse, est-ce qu'on peut changer les gens ? Oui, comme disait la chanson. Oui, en partie. Évidemment, il faut éviter de vouloir manipuler les gens. Alors, c'est quoi la différence, tiens ? Justement, ce qui est fait là, c'est l'antithèse de ça. C'est-à-dire, au fond, La question de la démocratie et de l'éducation, elles sont absolument liées, absolument liées. L'éducation, l'objectif principal, il est de donner de l'autonomie aux gens. Voilà, que quelle que soit l'éducation qu'on a reçue, quelle que soit la longueur des études qu'on fait, peu importe, c'est gagner en autonomie, être le juge de ses propres jugements, d'une certaine manière, avoir de l'autonomie, savoir faire preuve de sens critique, y compris sur soi-même, peut-être même surtout... Sur soi-même et essayer de lutter le plus possible contre notre pire ennemi, qui est tout ce qu'on appelle les biais, qui sont ces filtres qui nous font voir la vie d'une manière complètement biaisée. Chacun de nous ici est une fantastique machine à produire des erreurs, à avoir des jugements biaisés. Et donc le rôle de l'éducation, c'est de donner de l'autonomie par rapport à ça. Et ça, c'est une pièce absolument centrale dans la question démocratique. Absolument central. Et pour répondre directement à votre question, beaucoup de chercheurs ont travaillé sur cette question et ont montré que quand on parle, que quand on donne des éléments d'information, que quand on parle, que quand on dialogue, que quand on discute,
on arrive à faire changer le point de vue. Et après tout, n'est-ce pas l'objectif d'une campagne électorale ? Ah, alors parlons-en. Normalement. Normalement, c'est ça le but. Est-ce que ce n'est pas justement le propre du politique que de produire du discours partisan, du discours biaisé ? Est-ce que c'est quelque chose contre quoi il faut lutter ? Est-ce que, je ne sais pas, une espèce de neutralité parfaite serait un idéal ? Il faut qu'on arrive tous à être d'accord sur tout ? Non, pas du tout. Ou est-ce qu'il faut du conflit ? Non, ce n'est pas du conflit, mais il y a des valeurs, il y a des visions de la société, de la vie, de notre organisation commune qui sont différentes. Il y a une droite, une gauche, il y a des gens qui sont plutôt, avant on disait les partageux, les parcimonieux. Il y a des différences, il faut les assumer et c'est très important qu'elles puissent s'exprimer et que les gens puissent choisir. Non, je pense que en politique, on doit arriver avec des convictions, avec des valeurs. Là où les choses parfois sont biaisées, c'est quand entre la parole du politique et finalement celui qui reçoit cette parole, il y a quand même beaucoup d'interférences. Et parfois même le politique a peu de possibilités de développer ses idées parce qu'immédiatement elles vont être contredites ou avant même qu'il n'ait exprimé une idée, il y a déjà toute l'analyse de ce qu'il faut penser de l'idée qu'on n'a pas déjà exprimée. Qu'on n'a pas encore exprimé. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, ça rend les choses extrêmement complexes que de pouvoir avoir un débat à partir d'idées et que finalement les citoyens puissent arbitrer en fonction de leurs intérêts, de leurs propres valeurs, de leurs propres envies, désirs de vivre comme ci ou de vivre comme ça, de pouvoir choisir. Aujourd'hui, la question du choix n'est pas posée parce que intervient autre chose. Qui est cette espèce de démocratie d'opinion dans laquelle on voudrait faire le tri de ce que vous devriez penser et puis finalement de vous orienter aussi vers tel ou tel choix. Et donc c'est en ça aussi que la complexité de notre démocratie finalement génère ses propres dangers. Et je pense que c'est très important de revenir à la base, à l'échelle de la vie des gens. Là où on peut redevenir maître de sa vie, maître de son destin, pouvoir exprimer cela, et c'est pour ça que la démocratie locale, participative, est extrêmement importante, parce qu'elle redonne finalement le goût, les réflexes démocratiques qui font qu'on ne délègue pas un pouvoir vis-à-vis de quelqu'un qu'on aurait choisi, le quelqu'un en politique qui peut être tenté, et c'est quand même quelque chose qu'on voit fréquemment, de suivre ce que vont lui indiquer les sondages plutôt que d'essayer de développer sa vision et ses convictions parce qu'il va vouloir être populaire, parce qu'il va vouloir être réélu et que si les sondages disent que c'est dans ce sens-là qu'il pourra être réélu et populaire, même si on lui demande de tourner sa veste, certains font ce choix-là. Et donc le danger, c'est de ne plus partir... C'est la démagogie que vous dénoncez, c'est ça ? Non, c'est de ne plus partir de ses convictions. Okay. Et finalement, de faire de la politique quelque chose qui est être élu pour être élu, avoir un mandat. Il y a des gens qui me disent « Ah, c'est super d'être connu ». Ben non, pas plus que ça, quoi. Enfin, bon, bref, franchement, on ne fait pas de la politique pour être connu, mais pour transformer la vie, pour transformer les choses. Donc je crois beaucoup à l'échelle locale pour redonner du goût. En fait, à la démocratie. Est-ce que vous, dans la salle, vous avez des questions à poser à nos invités ? N'hésitez pas. Pendant que vous y réfléchissez, on va vous donner un micro, levez la main. Pendant que vous y réfléchissez, moi, je me tourne vers Laetitia. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté aussi que ressentent les médias à dépasser le discours politique ? Dès lors que les politiques se mènent à prendre la parole, à créer leurs propres médias aussi, parfois, à les réseaux sociaux, par exemple, qui abreuvent énormément de leurs partisans, est-ce qu'il y a un challenge particulier pour les journalistes pour réussir à recréer du commun ? Oui, mais si tu es journaliste... Faut bien parler dans le micro, Laetitia. Pardon. Si tu es journaliste, tu défends une charte éthique, tu défends une certaine déontologie. Donc, tu es censé, en tant que journaliste, prendre du recul. Tu es censé analyser l'information que tu viens d'avoir ou que tu vas chercher à avoir, et tu confrontes tes sources avant même de diffuser quoi que ce soit. Qu'après, que tu commentes ton information, il faut déjà que ton information, tu la situes dans un contexte. Après, tu peux la commenter, mais tu l'as vérifiée avant, tu l'as analysée avant, tu l'as comparée avec différentes sources. Tu n'es pas là pour imposer ton idée, tu es là pour donner une information. Encore une fois, après, les gens
tes lecteurs, tes auditeurs en font ce qu'ils en veulent, mais t'es là pour informer. Une fake news, c'est quoi? Je pense qu'on va en parler après, mais c'est une information qui est diffusée dans, qui est déjà fausse à la base. Un journaliste n'a pas diffusé une fake news. Un journaliste, il est là pour vérifier. Maintenant, le journaliste peut faire des erreurs, attention. Hein. Mais à ce moment-là, s'il il respecte une déontologie, à ce moment-là, il a l'obligation de la corriger. Oui. À la grande différence, parfois, de ceux qui ont la parole plus souvent, qui peuvent être des politiques. Aude, toi, c'est ta spécialité, les fake news. Et tu... Non, mais tu te bats contre ça et... Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que je pense que... Enfin, nous, c'est ce qu'on essaie de démêler aussi à Fake Off, c'est qu'il y a une grande, grande confusion dans l'esprit des gens dans ce qu'est un journaliste. C'est vraiment basique. Mais très souvent, moi, ça m'est arrivé qu'on me parle, mais vraiment du tout venant qui est passé à la télé, comme, oui, c'est pour ça que j'aime pas les journalistes, mais ça n'est pas du journalisme. Non, c'est bête, mais les personnes qui passent en plateau, très souvent... Paradoxalement, je pense que les journalistes, vraiment les producteurs d'informations, au sens, voilà, comme il peut y avoir des producteurs de carottes ou des petits producteurs dans n'importe quel secteur dont je fais partie, je trouve, ont assez peu la parole, finalement, dans les médias. Et que c'est un problème. Juste pour revenir, d'ailleurs, sur les nombreux problèmes que je vois aussi, je suis souvent choquée, je ne sais pas si ça a toujours lieu, mais je crois que c'est pendant la dernière présidentielle, je voyais souvent sur des chaînes d'infos en continu, que je ne citerai pas trop, des politiques avec le micro dans la main, qui parlaient, qui racontaient leur discours. Sur des duplex. Un duplex, je trouve ça extrêmement choquant, le micro doit être dans la main du journaliste, c'est vraiment... Je trouve que c'est, ça montre une espèce de lâcher, vous voyez, qui me heurte et qui, transmet un message quand même très négatif aussi sur la profession. Je ne sais pas à quel moment ils se sont dit, tiens, on va leur donner le micro finalement, puis ils vont dérouler, quoi. Il y a une question intéressante qui est posée dans le chat, c'est quelqu'un qui demande si la démocratie doit se baser sur un vote et un choix éclairé, comment est-ce qu'on fait pour avoir le temps de s'informer? C'est aussi une question que je trouve intéressante. Ne peut-on pas parfois faire confiance, déléguer une partie de sa réflexion à des gens qui nous inspirent, avec le risque de créer des gourous, il y en a beaucoup sur Internet, qui font du prêt-à-penser? Non, j'en sais rien. Philippe Martinez. Moi, je pense qu'il faut prendre... La démocratie, ça demande du temps. Ouais, ça demande du temps. Et comment on fait quand on n'a pas le temps? Parce que... Pourquoi on n'aurait pas... C'est ceux qui... Le travail, notamment, qui prend énormément de temps à beaucoup de gens. Mais il faut prendre le temps, même au travail. Ouais. Et d'ailleurs, le travail, c'est sans... Alors, moins avec le télétravail aujourd'hui, mais enfin, il y a encore... Le travail, c'est un endroit, pour ceux qui en ont, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui n'en ont pas, mais pour ceux qui en ont, c'est quand même un endroit où on se retrouve, on bosse, mais on fait des pauses café, on a des moments pour discuter. Eh bien, c'est ça, c'est là où on travaille la démocratie. C'est pour ça qu'il faut des temps de respiration au travail pour pouvoir, justement, avoir une vie sociale... et aborder des sujets. Et évidemment, on peut déléguer en partie, mais en veillant bien que la démocratie, elle est vécue. Et c'est valable pour les syndicats. Hein. En tout cas, moi, à titre personnel, je pense que des syndicats qui signent des accords en deux mots, sans demander l'avis aux salariés, c'est ce qu'on peut reprocher aussi aux politiques. Ouais, donc, c'est vrai. Il faut le temps de l'explication, voilà. Voilà, et tu le disais, on a le droit d'être d'accord ou pas être d'accord. Et la confrontation, elle est toujours saine. Et à la fin, ce sont les intéressés qui doivent décider. Et je voudrais juste faire j'ai côtoyé quelques journalistes. C'est 8 Alors, ils sont comment? Non, mais moi, j'aime les journalistes. Mais il y a de moins en moins de journalistes sur les plateaux, y compris ceux qui vous donnent d'accord. Le... on a le droit de ne pas être d'accord, mais là, on parle de démocratie. Mais on retrouve sur des plateaux des experts, ou des consultants, des experts. Ils sont capables de commenter un crime et la réforme des retraites. On appelle ça un toutologue. Un toutologue, voilà, toutologue, c'est ça. Toutologue. Je l'ai fait à une époque sur les plateaux. Non, c'est vrai, toutologue. Ça pose question. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec des gens qui... donc des consultants, pas des journalistes, qui... sont capables de vous dire vous avez tort, ce que je vous disais tout à l'heure, qui sont capables de m'expliquer ce qui se passe dans ma vie ou dans ma boîte. Ils ont jamais mis les pieds, c'est quand même fort de café. Et qui font plus d'audience, plus de buzz souvent que les reportages qu'on se casse à faire pendant un an. Je suis d'accord. Voilà, c'est un problème. Quand on vous laisse les faire. Tout
Tout à fait. Non, et c'est un enjeu. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, les amis? Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions? Je vois une main qui se lève là-bas. Je ne sais pas si quelqu'un peut apporter des micros. Il y a un micro, c'est incroyable, c'est vachement bien fait cette production. Vas-y, à toi. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui. Donc, je m'appelle Bertrand Séné, je travaille justement sur les questions de démocratie. Je me posais une question par rapport à ce que Madame Hidalgo a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on a vraiment besoin de choisir une personne, de choisir un programme, de choisir un parti politique pour résoudre des problèmes? Ok. Parce que finalement, si au bout de 5 ans, on se dit « Ben non, finalement, on devrait choisir l'inverse », c'est pas très, très cohérent d'un point de vue de long terme. D'autant plus qu'aujourd'hui, on sait faire de l'intelligence collective. On a vu la Convention citoyenne pour le climat, qui traite les sujets les uns après les autres, et finalement, ils arrivent à se mettre d'accord sur ce qu'il faudrait faire. Ben, je crois que cette méthode-là, finalement, on est capable de la faire à peu près tout le temps et partout. Donc pourquoi continuer à faire des élections? Qui est-ce qui se sent chaud pour répondre? Anne Hidalgo. Dans un... Comment dire, un niveau d'aboutissement de cette intelligence collective qui existe et de ce type de fonctionnement, je suis d'accord, on pourrait tout à fait se passer d'élus et des conventions citoyennes, des gens qui prendraient la responsabilité à un moment donné quand même d'exécuter les décisions. Hein, parce qu'une fois qu'on a pris la décision, j'en sais quelque chose en tant que maire de Paris, il y a quand même la mettre en œuvre, la traduire concrètement. Et il vaut mieux quand même veiller au grain matin, midi et soir pour que ça se fasse dans le respect. Je suis là avec plein d'élus qui me regardent, ils savent de quoi je parle quand je dis ça. Mais je suis d'accord avec vous, dans quelque chose de très, très abouti, on n'aurait pas besoin, sans doute, ni de choisir forcément dans un parti. Je pense pas. Je pense que les partis sont importants pour aussi faire de la pédagogie. Il y a ce qu'on appelle l'éducation populaire qui a beaucoup disparu et je pense que ça manque aujourd'hui comme référence. Mais bon, bref, on pourrait se passer de tout ça dans quelque chose de très abouti, mais on n'y est pas. Et puis, il y aurait quand même la vérification de l'application de ce qu'on s'est dit. Et puis, il y aurait quand même un risque que certains considèrent que toutes ces assemblées, ces conventions citoyennes, on les fait vivre, ça remue, puis finalement, ça ne change pas grand-chose au bout. Et ça viendrait quand même conforter, finalement, le pouvoir de ceux qui voudraient que rien ne change. Donc, okay. Je pense que les élus sont aussi importants, les formations politiques, les organisations syndicales, les associations sont quand même aussi importantes pour veiller. Et puis si on n'a pas bien fait son boulot, ben on n'est a priori pas réélu la fois d'après, ce qui n'est pas un drame en soi, mais qui est la bonne sanction de la démocratie. Pendant, je vais donner la parole à Bruno Cotterêts pendant qu'on passe le micro, parce que j'ai vu qu'il y avait une main qui s'était levée ici devant. Donc voilà, je vous laisse faire circuler le micro. Il y a le jeune homme ici devant. Bruno Cotterêts, vous vouliez intervenir. Oui, pour rebondir sur cette question, moi je pense fondamentalement que s'il n'y avait pas d'élection, de toute façon, on se poserait la question de qui parle, qui prend la parole à l'issue de la Convention citoyenne, qui prend le micro pour dire au peuple voilà ce qu'on a décidé. Et immanquablement, ça, je suis désolé, la nature humaine est ainsi faite, immanquablement, s'il n'y avait pas à un moment donné des mécanismes de choix qui sont des élections, il y aurait sans aucun doute ou des groupes de pression, ou des lobbies, ou des gens qui vont aller s'accaparer la parole de ceux qui veulent parler au nom du bien collectif. Donc il faut qu'à un moment donné, le peuple souverain tranche par un mécanisme démocratique. Alors, le mécanisme des élections avec des bulletins de vote qu'on glisse dans les urnes n'a pas toujours été... celui-ci, il y a des tas d'autres formes du vote pour savoir qu'est-ce que c'est que le choix qui est dominant dans la société à un moment donné. On pourrait pratiquer le vote à courte paille aussi, pourquoi pas. Mais voilà, on a, dans une époque moderne, considéré que pour que les citoyens soient en égalité devant l'acte suprême qui est tranché à un moment donné, quel est le choix dominant dans la société, on ne trouvait pas tellement mieux que le jour des élections, parce que sinon, ben, d'autres vont s'accaparer ce rôle. Des lobbyistes, éventuellement, par exemple. Une question, vas-y, je t'en prie. Oui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Marc, je suis étudiant en histoire. Et je viens d'un petit village dans la Drôme qui s'appelle Saillant et qui, en 2014, a décidé de ne pas élire de maire et qui a monté une liste citoyenne
Et en fait, tous les mois, eh ben, ils réunissaient des habitants dans une salle commune. Et eh ben, ensemble, ils réfléchissaient. Donc, c'était ouvert, c'était public. Et ensemble, ils réfléchissaient et ils décidaient de qu'est-ce qui pouvait être mis en place à l'échelle d'une ville, et, enfin, d'une petite commune, en l'occurrence. Et eh ben, ça a extrêmement bien marché pendant 6 ans. Et donc, je me demandais si ce n'était pas finalement une des solutions à l'avenir de la démocratie, en rebondissant sur ce qu'avait dit mon camarade, que voilà, peut-être qu'on pourrait simplement se réunir en petit comité et donner plus de parole aux citoyens hors cadre élection. Merci beaucoup. Effectivement, l'expérience de Saillant, très, très célèbre expérience à regarder. Est-ce que quelqu'un a une réaction, a envie de dire quelque chose sur cette expérimentation? Anne Hidalgo, peut-être une plus petite ville que Paris, c'est possible? Non, peut-être d'abord, pas D'abord, c'est vrai qu'on le fait aussi sur des projets, sur des échelles de quartier. On travaille, par exemple, à Paris sur la ville du quart d'heure, hein, avec cette idée que à l'échelle de un quart d'heure autour de chez soi, il faut qu'il y ait le plus possible, justement, cette gestion collective. Mais il y a un sujet d'échelle. Il y a quand même des sujets qui vont nécessiter, par exemple, je ne sais pas, des infrastructures de transport. Ça va nécessiter quand même qu'on se mette d'accord pour des financements colossaux qu'il va falloir être d'accord pour aller chercher et développer, mettre en œuvre. Et ça va être au-delà même d'un mandat. Donc il faut aussi, sur des sujets qui sont à une autre échelle, d'autres processus dans lesquels on engage sa responsabilité, sa parole, même si cette méthode-là est une méthode qu'il faut absolument pousser partout, partout. Et même à l'échelle de Paris, c'est jouable sur beaucoup de sujets. Aude ? Non, moi, j'aurais juste une petite question de journaliste, c'est est-ce que ça n'existe qu'à Saillant ? Est-ce qu'on a des stats sur, par exemple, le nombre, je ne sais pas, de petites villes comme ça qui s'organisent ? Est-ce qu'il y a... Voilà. Mais tu sais quoi, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Ça m'intéresserait beaucoup. C'est là que tu vois que c'est une vachement bonne émission, c'est que c'est prévu qu'on en parle dans la deuxième partie de l'émission. Mais oui, tu as raison, sur ce type d'expérimentation. Exactement. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Je ne sais pas où à qui a été donné le micro. Je vais vous laisser. Ce serait super qu'on donne le micro à une femme. On le sait tous, hein, dans ce genre d'exercice, c'est souvent les bonhommes qui prennent la parole, c'est vrai. Salut. Ah. Bonjour, je m'appelle Laurine, je suis étudiante dans un master en affaires publiques et j'aimerais que quelqu'un puisse réagir sur ce chiffre qui est sorti d'une étude mondiale d'Open Society. 2/3 des jeunes de 18 à 35 ans préféraient une dictature ou un régime militaire à la démocratie. C'est un marqueur fort de la défiance et de la démotivation des citoyens et des citoyennes envers ce régime politique démocratique. Qu'est-ce qu'on fait à propos de ça ? Quelle action on peut prendre concrète pour redonner confiance à la population, alors la démocratie ? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, pas une question évidente. Bruno Cotterêts. J'engage à la prudence. Dès qu'on cite un chiffre, hein, on était justement en train de parler de ça, faire très attention, parce qu'en fait, il y a des enquêtes effectivement qui existent et qui montrent des tendances à ce que certains disent. Nous, on le produit par exemple à Sciences Po dans notre enquête régulière sur la confiance politique, des gens qui disent « je préférerais moins de démocratie à plus d'efficacité », par exemple. Alors, ça ne veut pas dire préférer la dictature, hein, bien évidemment. Donc, il faut bien faire attention à comment la question a été posée, la source et tout, parce qu'effectivement, on peut facilement arriver à ce genre de résultat. Et après, qu'est-ce que c'est qu'un jeune, dans quel pays, etc. Tout en étant prudent, effectivement, sur les chiffres qu'on cite, mais je reprends quand même pour moi cette question, parce que moi, je le vois aussi passer chez beaucoup de jeunes, cette idée de, parfois, la dictature éclairée, ou en tout cas, la technocratie éclairée, après tout, le changement climatique, est-ce que ce ne serait pas le moment de mettre un écolo, mais qui a tous les pouvoirs et qui fait un peu ce qu'il veut, et ça réglerait le problème. Je l'entends comme une forme de solutionnisme en disant par-delà nos débats. Qu'est-ce qu'on répond à des jeunes qui, face à l'urgence climatique, par exemple, disent allez, on met un expert et puis lui, il saura ce qu'il faut faire. Je pense qu'il ne saura pas du tout ce qu'il faut faire, parce que les solutions, elles ne sont que collectives et elles sont dans les changements de nos modes de vie, dans des décisions aussi très très importantes qui doivent être prises à l'échelle nationale, à l'échelle internationale aussi par le droit, mais à l'échelle nationale par des investissements massifs qui doivent entraîner tout cela. Donc non, il faut... je pense qu'il faut faire très très attention. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Soit le gouvernement des experts, hein, je le disais tout à l'heure, un conseil d'administration d'entreprise, ça serait tellement plus formidable que de donner la parole à tout le monde.
ou un pouvoir fort avec un homme fort. En général, c'est un homme fort. C'est vraiment une femme aussi. Un homme fort. Non, tout ça, c'est catastrophique. Enfin, je veux dire, les expériences de pouvoir ultra centralisé avec des gens qui en fait sont un peu dingues pour vouloir ce pouvoir tout seul, ça conduit à des guerres en général hein, et à des désastres absolus. Donc il faut dire aux jeunes que bien sûr c'est terrible, on est dans quelque chose qui est très anxiogène, mais qu'il y a des éléments quand même qui permettent de se dire que l'action humaine, la parole humaine, la délibération collective, ça fait bouger les choses. Et juste, je veux dire un truc sur le mouvement des retraites. Ouais. Ce mouvement des retraites aurait pu être hyper impopulaire, parce que tous les experts sur les plateaux au début du mouvement syndical, ils n'étaient quand même pas hyper favorables. Et le truc, ils ont réussi un truc incroyable, les syndicats, c'est à fédérer toutes les générations, à fédérer tous les syndicats et à devenir un mouvement populaire. Et moi, je me suis dit, ça, c'est quand même quelque chose qui donne confiance. On peut y arriver malgré la façon dont on essaye parfois d'écraser complètement des idées qui sont en dehors de ce que le néolibéralisme admet aujourd'hui. On a beaucoup de questions dans le chat, vous vous en doutez, de gens qui posent des questions. Je vois une main qui se lève ici, si vous pouviez apporter un micro à un monsieur qui veut la parole depuis tout à l'heure. Des questions dans le chat qui tournent autour de ces failles que l'on retrouve aussi dans la démocratie, c'est la question des lobbies, la question de la puissance, des intérêts privés, des conflits d'intérêts, etc. C'est quelque chose, c'est vrai que moi qui depuis 8 ans explique le fonctionnement de nos institutions aux jeunes, il y en a quand même souvent qui m'en parlent, et ils ont raison, la question des lobbies. Est-ce que c'est quelque chose que l'on fantasme? Est-ce que c'est d'une importance aussi? Vous me regardez tous avec des grands yeux, là, il y en a un qui veut intervenir. Elle est chiante cette question, hein, mais la question des lobbies, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut toujours des représentants d'intérêts? Est-ce qu'il faut discuter avec eux? Non, c'est terrible, ils viennent vous menacer. Moi, ils m'ont menacé dans mon bureau à peine élu. Sérieux? À peine élu, on est venu me menacer en me disant, si vous continuez à dire ce que vous dites sur le diesel, on vous fera battre à l'élection d'après et on vous rendra responsable de la chute de l'emploi dans le secteur automobile européen. J'ai dit rien que ça. J'ai dit, vous êtes très fort, très puissant. C'est pas grave, je serai du bon côté de l'histoire. Parce qu'un jour, vous serez peut-être à la barre d'un tribunal condamné pour empoisonnement de la population. Mais bien sûr que ça existe, c'est terrible, c'est ce qui est en train de foutre en l'air une grande partie de la démocratie. Regardez ce qu'ils viennent de faire, là. Ils viennent d'obtenir qu'au niveau européen, on recule sur les normes en matière de pollution de l'air pour les véhicules. Et ils viennent de l'obtenir là. Les ministres d'industrie de tous les pays européens viennent d'accepter quoi ? Que le lobby des constructeurs automobiles et du diesel fasse la loi au niveau européen le même jour qu'on nous présente la planification écologique. Vous trouvez ça normal ? C'est d'une puissance et vraiment, c'est quelque chose de terrible. Terrible. Le problème, c'est qu'en disant ça, on théorise l'impuissance. Non. Et quand on théorise l'impuissance, pas la vôtre, mais c'est aussi une question sur le mouvement social. On a parlé du mouvement des retraites. C'est aussi des superlatifs sur des plateaux, j'en ai dit un paquet, mais le plus grand mouvement social depuis je ne sais pas quelle crise, etc. C'est énorme. Il y a un nombre de gens dans la rue phénoménal. Et au bout du bout, malheureusement, un mouvement qui ne parvient pas à obtenir le retrait de cette réforme. Oui. Intéressant, ça aussi, sur la question de l'impuissance. Oui, intéressant sur la nature de la démocratie en France. Ouais. On expliquait ça, je ne suis pas seul à le dire, à des collègues européens qui nous aimaient. Ils ne parlent pas avec vous, votre président ? Parce que chez nous, 15 jours comme ça, on est tout de suite convoqués, on discute et on trouve une solution. Donc ça aussi, ouais. Ça montre que les failles de la démocratie, et il n'y a pas de modèle de démocratie en Europe, mais de la considération des organisations syndicales et d'un mouvement social, parce qu'au-delà des organisations, c'est un mouvement social, y compris qui a réuni... pour la première fois, je crois, des ONG, des associations et des syndicats sur une question sociale, des ONG écologiques. C'est intéressant, ce croisement du social et de l'environnemental. Mais je t'assure, des collègues européens, des camarades européens, les Allemands, les Espagnols, ils étaient hallucinés. Ils disent, mais vous mettez 2 millions de personnes dans la rue et il n'y a pas une porte qui s'ouvre dans un ministère. Mais ça ne peut pas exister chez nous, ça. Donc là aussi, il faut revisiter, en tout cas revoir. Moi, je n'aime pas la notion de corps intermédiaire. Mais en tout cas, le mouvement social avec ses représentants, c'est une forme aussi de démocratie. Eh ben,
il faut revoir ça aussi. Alors oui, on n'a pas... D'ailleurs, ça, par rapport à la question précédente, c'est aussi... ça crée des doutes sur la démocratie. Vous avez certainement, ceux qui ont participé aux manifestations, il y a les trois quarts de la salle qui l'ont fait, vous avez sûrement entendu, vous avez peut-être dit vous-même, mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour être entendu ? Ouais. Et donc, ça renvoie à, faut passer à autre chose. Alors peut-être c'est un homme de, oui. ou une femme forte qui prend les décisions toute seule. Moi, je l'explique aussi comme ça, parce que les gens veulent de l'action, mais du concret. Mmh. Et donc, ils disent, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour être entendu ? Ça pose la question de la démocratie. Absolument. Il y a une question là au premier rang, monsieur, allez-y. Moi, je voudrais dire que ce qui est très important pour la démocratie, c'est le vote. Vous avez dit qu'il n'y a pas de modèle de démocratie en Europe. En Suisse, il y a des référendums d'initiative populaire. Autre chose. Et moi, je suis pour qu'on développe les référendums d'initiative populaire en les contrôlant. J'ai beaucoup aimé que la maire de Paris fasse un vote sur les trottinettes électriques. Oui, la votation. Je trouve qu'il devrait y avoir au moins 3 ou 4 fois par an un vote sur des sujets sur lesquels on se pose une question. On va recommencer. Si, sur le même sujet ou sur un autre sujet. Je pense que c'est très important de pouvoir voter et de ne pas voter seulement pour les élections d'élus, mais voter sur des sujets qui se posent. Et le référendum d'initiative populaire, je trouve ça très bien. Je trouve qu'à Paris, il devrait y avoir la possibilité pour les conseils de quartier. Alors, ils font des vœux déjà. Moi, je suis membre du conseil de mon conseil de quartier. On fait des vœux qui sont votés dans le conseil de quartier, dans l'arrondissement, et puis qui sont soumis au conseil municipal. Je trouve que non seulement on devrait pouvoir faire des vœux, mais on devrait pouvoir demander un référendum d'initiative populaire sur des sujets qui concernent la vie de tous les jours des citoyens. C'est ce qu'on avait demandé pour les retraites, d'ailleurs. Oui. Absolument, le référendum sur les retraites. Mais vous avez raison, la question de l'initiative citoyenne ou populaire... En Suisse, la Suisse, c'est un modèle. Alors, la Suisse est un des modèles. On se souvient du mouvement des Gilets jaunes qui avait propulsé le RIC, comme le référendum d'initiative citoyenne, comme une revendication première. C'est intéressant, cette idée que des citoyens souhaitent que ce soit... que l'initiative aussi de la consultation ne soit pas contre les mains du politique, mais que de même les citoyens, est-ce que ça bouscule dans le bon sens du terme le tempo des institutions ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut développer ? Aude ? Moi, ça m'énerve parce que j'ai plus le terme exact, mais j'avais fait un documentaire sur l'expérimentation animale. Il y a déjà quelques années, il y avait eu un référendum qu'on peut porter au niveau européen, une initiative où en fait, si on dépasse un tant de millions de personnes, ça passe, c'est examiné. Et je crois que ça n'avait un peu trop rien donné. Et donc ça m'avait interrogée à ce moment-là de quid de ce processus. Mais je n'ai plus exactement les clés, peut-être quelqu'un ici pourrait le savoir, mais c'est vrai qu'après, on a travaillé d'ailleurs avec un certain nombre de personnes sur le discours anti-IVG, qui véhicule un certain nombre de fausses informations. Il y a aussi un certain nombre de lobbies qui sont parvenus à atteindre, pareil, ces millions de gens également. Pour pousser à l'agenda européen des trucs. Ouais, exactement. Donc, je ne sais pas, ça pose aussi d'autres questions, mais c'est très intéressant. Enfin, voilà, ça reste intéressant, mais voilà tout ce que ça m'évoque. Bon, Donc, Anne Hidalgo, y aura-t-il d'autres votations à Paris à celle sur les trottinettes en libre-service ? Alors, je vais pas vous en parler ce soir, mais on va revenir très vite, très très vite, sur un autre sujet. On n'aura pas la primeur, mais vous l'aurez, suivez les articles, mais voilà, ça va voter à nouveau. On prend une toute dernière question, et après, on va passer à la suite, je vois une main qui se lève là-bas. Il y aura d'autres tours de questions plus tard dans l'émission, ne vous inquiétez pas, c'est une super émission. Il y a une main qui se lève là-bas, si vous pouvez lui apporter un micro, ce serait super, ou lui en faire passer, je ne sais pas de quelle méthode. Bonsoir à tous, bonsoir. Je m'appelle Sarah. Ouais, bonsoir Sarah. Je suis ingénieure en recherche scientifique, et... on a parlé beaucoup de démocratie avec des mots, avec des chroniques, avec le rire. La définition s'accorde à dire que c'est une notion qui est représentée par le peuple. Ne trouvez-vous pas qu'à l'heure actuelle, que ce soit en France, en Europe, à Paris, partout dans le monde, les principales crises démocratiques prennent naissance sur le fait qu'il y a une déconnexion entre le peuple et les personnes que ce peuple-là a élues? Que pensez-vous de cette remarque-là et comment est-ce qu'on pourrait trouver des solutions à l'échelle locale ou bien à l'échelle européenne pour justement atténuer ce gouffre
qu'il y a entre les personnes du peuple, quelles qu'elles soient, de n'importe quelle nationalité, qui vivent en France, et ces fameuses têtes pensantes que ce peuple-là a élues. Merci beaucoup, Sarah. La déconnexion entre le peuple et les élites. Philippe Martinez. Je crois qu'on l'a... j'ai essayé de l'évoquer déjà. C'est-à-dire que c'est voter pour moi et je m'occupe de vous. Donc je pense qu'il faut, certainement avec des initiatives plus locales, autour de grands projets. Moi, je me bats pas tout seul avec mes petits bras musclés, mais en tout cas, c'est une idée. Par exemple, sur la question de l'eau, je pense qu'il faut investir des milliards au niveau national pour empêcher que l'eau potable, elle fuit des tuyaux qui les amènent dans les... Vous les suivez, c'est partout où c'est vert en ce moment, c'est les fuites de l'eau potable. Bon, on donne un projet au niveau national, et après, au niveau local, dans les villes, dans les communautés d'agglomération, eh bien, on débat avec les citoyens pour voir comment... ils peuvent mettre en œuvre avec, au niveau, il faut fabriquer des tuyaux, il faut faire des trous pour faire passer ces tuyaux. Un peu l'expérience que vous disiez, Assaillant, la déconnexion, elle n'a plus lieu, quoi. C'est-à-dire qu'on a des idées nationales, mais je pense que de plus en plus, les gens, ils veulent que leur vie, elle change concrètement. Et donc, ils en ont marre des grands discours, si ces grands discours, qui peuvent être très bien, d'ailleurs, ils n'ont pas un impact rapide sur leur quotidien. Et donc, on peut multiplier les exemples. Moi, j'ai cité l'eau parce que c'est un sujet important, me semble-t-il, mais il y en a d'autres. L'emploi, les salaires, etc. etc. Et donc, ce qu'il faut arrêter, c'est... je l'ai évoqué, hein, c'est ceux qui vous expliquent à longueur de journée ce qui moi, j'ai... Je finis là-dessus. Moi, j'ai croisé un jour un éminent directeur de cabinet d'un ministre qui, pendant 25 minutes, m'a expliqué ma boîte. Et donc, au bout de 25 minutes, il a arrêté de parler. Et donc, je lui ai dit, moi, ça fait 30 ans que je travaille là, donc maintenant, c'est moi qui vais vous expliquer comment ça se passe dans mon entreprise. Vous voyez ce que je veux dire ? Bruno Cotterêts, en quelques mots. C'est super compliqué en quelques mots, parce que la question qui a été posée, c'est un peu comme les dernières questions, on est à la fois au cœur du sujet, et puis c'est très, très compliqué. Il n'y a pas de réponse simple à ces questions. Il n'y a vraiment pas de réponse simple. D'abord, la question de savoir si le fait d'être élu, désigné par les autres pour servir le bien public, presque par définition, va faire qu'à un moment donné, on se déconnecte de ceux qui vous ont élu. Mais alors ça, c'est l'objet de réflexion, mais presque depuis toujours. Depuis toujours. Donc il n'y a pas de solution qui est simple à ça. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a des demandes importantes et que sans doute, la solution, c'est est-ce que l'élection... le sens de l'élection, est-ce que ça ne devrait pas arrêter d'être un point d'aboutissement et d'être plutôt un point de départ ? Si on prend la question des retraites, le président de la République ne cesse tout au long de la période de dire « mais moi j'ai été élu pour le faire, j'ai même je fais un sacrifice énorme, puisque dans la campagne je disais 65, et je me suis laissé convaincre par les Républicains, 64 ». Et donc, en fait, lui, peut-être, il le vit peut-être même comme un amendement. Il a tenu compte, c'est ce qu'il dit dans plusieurs déclarations. Il dit, mais moi, j'ai tenu compte de la voix du peuple. J'ai entendu les gens, mais soit pas 65, 64. Et donc, on voit qu'il y a une sorte de confrontation entre celui qui, peut-être, d'ailleurs légitimement, dit, j'ai été élu pour, et ceux qui disent, mais non, t'as pas élu pour ça. Donc, la solution, c'est évidemment les passerelles, peut-être d'institutionnaliser, c'est-à-dire que dans nos institutions, cette articulation entre les conventions citoyennes, la parole du peuple, les institutions issues du suffrage universel, que ça soit mieux articulé, parce que là, on est dans un entre-deux qui est insatisfaisant pour tout le monde. Les gens qui ont participé à la Convention citoyenne sur le climat, à la fin, ils disent, nous, ce n'est pas notre rôle de faire la loi. On passe le bébé au législateur, et puis ça part en fumée, on ne sait pas où c'est parti un jour. Le grand débat national. Des heures. Enfin, on est plusieurs ici à avoir participé à des débats. La richesse de ce qui se passait dans les salles, c'était vertigineux. Et puis, on ne sait pas où c'est passé. Donc voilà, il y a cette question institutionnelle derrière. Le mot de la fin, Anne Hidalgo, on va devoir enchaîner après, peut-être, mais on continue l'émission. Aussi, je pense qu'il y a aussi un problème de personnel politique. Si on est dans une espèce de reproduction d'une élite, d'un personnel politique qui est à peu près tout pareil, tout formé pareil, qui a la même expérience de vie dans les mêmes lieux, ça ne va pas le faire. Et donc oui, il faut. C'est pour ça que je suis pour le non-cumul des mandats, que je suis pour que la responsabilité politique puisse tourner,
que les femmes soient là, nombreuses, que les origines sociales, c'est pas pareil hein, quand vous avez quelqu'un qui a une expérience dans une entreprise et qui vient à un moment donné représenter d'autres qu'elle, c'est-à-dire être au-delà de sa propre expérience, mais elle va avoir une parole qui va être beaucoup plus riche que quelqu'un qui aura appris en théorie la difficulté d'être élu, de se distancier, etc. etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous cinq pour ce premier plateau. Un tonnerre d'applaudissements, je vais vous laisser quitter le plateau. Merci à vous. On continue cette émission DemoStream ici en direct. De l'Académie du Climat à Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Twitch. Vous êtes très nombreux, vous êtes nombreux. Ça fait plaisir. On continue cette émission spéciale en partenariat avec la ville de Paris pour parler de démocratie. On va continuer nos échanges. C'était un premier plateau de discussion. J'espère que vous dans le chat, mais je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux et vous avez des débats entre vous dans le chat. C'est super intéressant. Continuez. On va continuer à discuter de la question démocratique et on va se diriger petit à petit vers la question des solutions, des innovations, de ce qu'on peut imaginer pour changer les choses, même si ça a déjà été évoqué et j'en suis très content. Mais avant ça, je voudrais qu'on accueille une personnalité sur ce plateau, un spécialiste, un chercheur spécialiste historiquement de la question du djihadisme, très connu pour ces questions-là, mais qui depuis peu a décidé de s'intéresser à un autre sujet, encore que la question de la démocratie. Un tonnerre d'applaudissements pour Hugo Micheron. Bonsoir Hugo Micheron, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jean. Bonsoir. Hugo Micheron, je le disais, un parcours intéressant, chercheur connu pour vos travaux sur le djihadisme, mais là vous travaillez, je crois que vous lancez une chaire à Sciences Po, ouais, sur démocratie et désinformation, racontez-nous. Oui, alors déjà je vais essayer, pour une première sur Twitch pour moi, le double exploit de ne pas plomber l'ambiance en parlant de djihadisme et de ne pas ennuyer tout le monde en parlant de recherche. Donc un sujet malgré tout extrêmement grave, notamment pour la ville de Paris, qui est ici représentée par Madame la maire. Le djihadisme, c'est, pour moi, c'était d'abord une question. Et c'est ça que je veux évoquer en parlant aussi du travail de chercheurs et peut-être de l'utilité des chercheurs, de l'utilité sociale des chercheurs dans une société. En fait, à quoi sert-on produire de la connaissance éventuellement à éclairer autant qu'on peut humblement les débats. Et donc moi, le point de départ cette question est en fait assez surprenant parce que je vais vous le dire, j'aime à peu près tout. Tout m'intéresse sauf le djihadisme. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que je travaille sur ce sujet et pourtant je m'intéressais abondamment à la question syrienne pour y avoir vécu, pour avoir eu la chance d'y apprendre l'arabe avant la guerre, mais la question djihadiste en tant que telle m'intéressait fort peu, mais malgré tout par des hasards de terrain que je menais à l'époque dans un certain nombre de quartiers populaires en France, je suis tombé sur des individus qui m'évoquaient, quand je parlais de la Syrie, qui m'évoquaient le fait que, tiens, un voisin de palier est en train de partir pour combattre en Syrie. C'était des éléments comme ça, vraiment très éparses. On était en 2013, donc avant les attentats de Paris, 2 ans avant, le sujet n'était pas vraiment débattu dans le débat public. Il était parfois évoqué en toile de fond, mais ce n'était pas une préoccupation. Quand arrive donc ce sujet, je me suis posé la question, tiens, c'est étonnant, dans différents territoires, les gens parlent de la même chose alors qu'ils ne se connaissent pas, qu'on parle de lieux très différents, tantôt Roubaix, tantôt Marseille, tantôt Nice. Et c'est comme ça que j'ai décidé donc, de lancer des recherches sur ce sujet à partir du terrain. Et ce travail m'a amené à écrire des livres. J'en ai travaillé pendant 10 ans sur ce sujet. En fait, progressivement, je me suis dit que la recherche, c'était des questions très simples. Le djihadisme, d'où est-ce que ça vient ? On est tous d'accord, c'est une évidence que ça ne tombe pas du ciel, ça ne pousse pas dans les forêts. C'est vrai. C'est bête de dire ça, mais je veux dire un truc très clair. Ça veut dire qu'il y a bien eu quelque part, à un moment donné, un individu qui était le premier djihadiste, qui était le premier individu qui avait cette idéologie et qui, à un moment donné, a pu agir en tant que djihadiste en se proclamant comme tel. Et donc, ce point, c'est très important, c'est donc qu'il y a une histoire du djihadisme. Et s'il y a une histoire du djihadisme, il y a probablement une géographie. Et c'est comme ça que j'ai essayé de travailler à l'échelle de l'Europe entière pour expliquer ce phénomène.
Et très rapidement, il m'est arrivé deux éléments qui sont au cœur de mes recherches. Le premier élément, c'est que quand on parle de djihadisme, en fait, on pense attentat. Et ouais. C'est une erreur, parce qu'il y existe un djihadisme en dehors des attentats. Les attentats, c'est la conséquence du djihadisme. La deuxième erreur qu'on tend à faire, c'est qu'on limite le djihadisme à des organisations. Et pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que si on accepte cette idée qu'il y a un djihadisme en dehors des attentats, que les attentats, c'est qu'un moyen qu'ils utilisent, c'est la conséquence du djihadisme, c'est pas sa raison d'être, alors on comprend qu'il y a des périodes où les djihadistes ne frappent pas, et pourtant, il peut y avoir des djihadistes. Donc, ça nous amène immédiatement sur la question politique. Ben oui. Et mon travail sur les 10 dernières années a consisté à produire une histoire du djihadisme européen pour essayer de comprendre comment ce phénomène pouvait toucher la France, le Danemark, la Belgique, la Grande-Bretagne, des pays qui, a priori, sont à la fois très différents et qui ont en commun d'être des démocraties européennes. Et alors, c'est là que vous en arrivez, du coup, à la question démocratique. C'est ça. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, le djihadisme, quand on regarde ce que l'idéologie djihadiste, donc tout ce qui est le djihadisme en dehors des attentats, vise, c'est en faire les principes constitutifs des démocraties européennes, les valeurs fondamentales des démocraties européennes. La liberté d'expression, la liberté de conscience, l'égalité de tous devant la loi, l'égalité entre les genres, la liberté de mœurs. On le voit bien dans ce qu'ils ont essayé de frapper, les symboles qu'ils ont essayé de frapper dans cette ville de Paris. Ce sont des symboles qui représentent ces valeurs démocratiques. Et nous, on perd un peu le nord quand on ne voit pas que la question djihadiste, c'est avant tout une question politique, avant même d'être sécuritaire. Et donc, ce qui m'amène à évoluer dans mon travail, c'est qu'en fait, à travers, vous voyez, un biais qui paraît très précis, très spécifique, qui est le djihadisme, en fait, j'ai touché à un sujet auquel je ne m'attendais pas, qui est la question démocratique et la question des grandes valeurs politiques. Et la question que je pose à vos, évidemment, spectateurs sur Twitch et dans la salle, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on vitalise ces valeurs de la démocratie ? On les prend pour données. Or, c'est précisément ce que des ennemis comme les djihadistes qui se présentent comme des ennemis des démocraties visent. Ils visent tous les principes. Mais on peut élargir. Si vous regardez la question ukrainienne, la Russie, qui est aussi est un peu comme le djihadisme sur un point, c'est qu'elle a menacé l'Europe et les démocraties européennes pendant 30 ans. Et on ne les a pas pris au sérieux. Et il a fallu qu'ils envahissent l'Ukraine pour que tout d'un coup, on prenne conscience de cette menace. Donc la question, on le voit un peu comme les djihadistes ont pu le faire. Donc la question, si vous voulez, de la démocratie, ces valeurs qui nous semblent évidentes, sont en réalité ce qui est visé et perçu comme extrêmement fort à l'extérieur, mais dont nous, on peine, et les discussions là en ont donné un certain nombre d'indications, qu'on peine, nous, à faire vivre au quotidien, qu'on peine à incarner. Mais du coup, je retourne la question. Oui. Et donc, la question qui m'amène progressivement vers tout ça, c'est qu'il y a, d'une part, la question de la revitalisation de ces valeurs. Ça, c'est une question démocratique, je pense, qui est posée à tout le monde. D'autre part, d'avoir conscience que ces valeurs, ce n'est pas parce qu'elles sont là qu'elles sont toujours là. Mmh. Les démocraties ont connu des périodes de très grandes crises. On a vu qu'elles étaient capables de prendre un certain nombre de décisions dans des catastrophes historiques. La question, c'est de voir aussi que le débat public a considérablement évolué. Mmh. Et ça, c'est notamment le fait des réseaux sociaux qui nous permettent d'échanger avec des centaines de milliers de personnes en live aujourd'hui, mais qui sont aussi des instruments de désinformation. Et qui sont aussi des instruments qui participent à la polarisation de la vie politique. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui me semble extrêmement important. C'est comment est-ce qu'on arrive, en fait, à ne plus être capable de débattre, à ne plus être capable d'être en désaccord. Parce que la démocratie, c'est ce qui produit du commun, c'est ce qui arrive à amener, si vous voulez, les extrêmes, les oppositions vers une solution minimale. La dynamique sur les réseaux sociaux, c'est plutôt l'inverse. Et là où j'en viens, c'est donc qu'il y a une période particulière qui est cette révolution technologique qu'on vit. Mmh. Aujourd'hui, le premier espace de socialisation des 15-25 ans, ce n'est plus les médias. Non. Ce n'est pas Sciences Po où j'enseigne, ce n'est pas dans la rue. Mmh. C'est sur les réseaux sociaux. C'est sur vos émissions qu'ils se politisent, qu'ils réfléchissent, qu'ils échangent des idées et parfois sur des émissions bien moins recommandables. Ce que je veux dire par là, c'est que ça transforme la démocratie. Il y a des forces qui s'en prennent à la démocratie qui vont mobiliser des gens sur les réseaux sociaux. Si on ne prend pas ça en compte, je pense qu'on rate ce qui est le grand enjeu de la décennie 2020, c'est-à-dire cette espèce de bataille des valeurs qui s'engage contre les démocraties et qui prend notamment forme sur les réseaux sociaux en visant en premier lieu la jeunesse. Et donc c'est comme ça, vous voyez, en partant d'un sujet a priori très lointain, que j'en arrive à Sciences Po à participer donc, au lancement de cette chaire sur les affaires internationales, démocratie,
révolution technologique et donc toutes les questions liées à la polarisation et aux nouvelles menaces qu'on peine à voir. Mais j'espère que parmi les gens dans la salle et parmi vos spectateurs sur Twitch, il y a un certain nombre qui se sentent concernés. Et moi, je serais extrêmement ravi de recevoir par ailleurs des idées, puisque quand on lance une chaire, on est toujours preneur d'initiatives. Et après tout, c'est aussi ça la démocratie, c'est-à-dire pouvoir bénéficier des idées de tout le monde et de les faire vivre. Merci. J'espère que votre appel sera entendu. Hugo Micheron, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Hugo Micheron. Extraordinaire. Absolument passionnant. Et on a hâte de suivre les travaux de cette chaire à Sciences Po. Mesdames et messieurs, on continue nos échanges, toujours sur Twitch, toujours dans cette émission DemoStream. Je propose que nous continuions à discuter de la démocratie, de son avenir et de la mobilisation. Je demande à me rejoindre sur ce plateau les cinq invités suivants. On va commencer par... Il est politologue, il est chercheur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, éminent spécialiste de la démocratie. Un tonnerre d'applaudissements pour Loïc Blondiaux. Loïc Blondiaux qui vient me rejoindre sur ce plateau ici. Et on continue avec la directrice de l'ONG Change.org, Aminata Dembélé. Pour continuer à discuter avec nous sur la question démocratique, j'invite la porte-parole des soulèvements de la Terre, Léna Lazare. On continue avec la porte-parole du collectif Démocratie Ouverte, la célèbre Priscilla Ludowski. Et enfin, pour continuer à discuter de ces questions, le réalisateur et notamment du documentaire Démocratie au pluriel sorti en 2018 et qui a réalisé cette année Utopie à retrouver sur France TV, Henri Poulain. Bonsoir à vous cinq. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous de ces questions démocratiques qui nous agitent depuis le début de cette émission. C'est pas cette émission qui a inventé le sujet. Loin de là, nous on est que des témoins d'un débat qui nous agite depuis très longtemps. Loïc Blondiaux, vous avez entendu nos échanges jusque-là. Cette question démocratique, c'est une question qui est au cœur de vos travaux, de vos recherches, de votre enseignement à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Est-ce que vous avez vu des évolutions ces dernières années dans la manière qu'on a de la penser, cette démocratie ? Oui, beaucoup. Mais avant d'en venir au constat et aux évolutions, je voulais rectifier un chiffre qui a été donné tout à l'heure, qui est alarmant, selon lequel 2/3 de jeunes, selon une enquête européenne, seraient favorables à un pouvoir fort et en particulier à un pouvoir militaire. En fait, la proportion, c'est 1/3. Mais c'est déjà suffisamment inquiétant. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Et en fait, on s'aperçoit que ceux qui sont le moins confiants dans la démocratie et qui sont le moins attachés à la démocratie, ce sont quand même les catégories des plus jeunes de la population, et ce, à peu près dans tous les pays. Donc ça doit nous interroger, et on doit essayer d'expliquer ce constat. Il a été évoqué la question de l'efficacité. C'est vrai que cette question de l'efficacité, notamment au regard du changement climatique et du dérèglement de notre environnement, est une question centrale, et on peut poser la question de l'efficacité de la démocratie. Mais je voulais être moins alarmiste que madame sur ce chiffre. Alors les évolutions, oui, elles sont considérables. En 1990, au moment de la chute du mur de Berlin, on avait l'impression que la démocratie était installée pour toujours. Mmh. Aujourd'hui, on a perçu à quel point elle était fragile. On a vu des régimes basculer en Europe. On a vu aux États-Unis le 6 janvier une grande démocratie, peut-être la plus grande de toutes, faillir, s'effondrer. Donc il y a une très grande fragilité, et cette fragilité, elle peut s'expliquer de différentes manières. Elle peut s'expliquer par une partie, pour partie, par la désaffection des citoyens vis-à-vis d'un régime dans lequel ils ne se sentent plus représentés, dans lequel ils n'ont plus confiance, par rapport à des représentants dont ils ont le sentiment qu'ils ne servent pas à l'intérêt général. Mais on peut s'interroger sur l'adhésion et l'attachement de nos élites, ou en tout cas d'une partie d'entre elles, à la démocratie. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ce qui prévaut
mots chez nos gouvernants, c'est le sentiment qui a été évoqué récemment, selon lequel ils n'ont pas besoin du peuple pour gouverner, parce qu'ils savent beaucoup mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Ça s'appelle l'épistocratie, c'est le gouvernement des experts. Et ce qu'on voit aujourd'hui en France, c'est se restreindre tous les espaces de délibération. Et tous les moments de délibération. Et la réforme sur la retraite a été une forme de laboratoire absolument incroyable. Non seulement la démocratie sociale a été court-circuitée, mais la démocratie parlementaire elle-même a été court-circuitée. Et où délibère-t-on aujourd'hui de l'intérêt général ? C'est une vraie question. Et mon inquiétude extrêmement forte, c'est que avec les crises multiples, diverses, que nous allons devoir affronter, et la première d'entre elles, c'est celle qui est liée à nos conditions de vie sur Terre, qui est liée au dérèglement du climat et à la destruction de la biodiversité. Ouais. Au nom de l'urgence, ces gouvernants en profitent d'un certain point de vue pour court-circuiter la démocratie. Et j'ai peur que nous allions progressivement, mais même de manière accélérée, vers de moins en moins de démocratie. On va en parler de cette crainte que vous avez, voilà, et qui, à mon avis, est partagée. Mais on continue à se poser cette question. Henri Poulain, je me tourne vers toi, Henri. En 2018, dans ton documentaire « Démocratie », tu posais le constat qu'on ne vit pas en démocratie, mais qu'on essaye d'y tendre. Enfin, le principe, c'est de dire que la démocratie, ce n'est pas un régime, c'est un principe. Et le principe, c'est le principe de l'égalité. C'est considérer que chacun, chacune est à même de participer à la décision collective. Ok. Et sans restriction. Et dans la continuité de ce principe fondamental, fondateur de la démocratie au sens plein du terme, c'est la déconstruction, l'empêchement de toute forme de domination. La domination de l'homme sur la femme, du riche sur le pauvre, du blanc sur le noir, d'homo sapiens sur la nature ou sur le vivant. Et cette condition-là, si on l'observe, parce qu'elle s'exerce dans des communautés, dans des collectifs, c'est ce qu'on a tenté de documenter avec Utopie, à cet instant de respect fondamental du principe d'égalité, c'est aussi accorder à l'autre le fait qu'il est mon égal, ouais, totalement, que je ne suis pas ni inférieur ni supérieur, que le désaccord est le bienvenu dès lors qu'il peut être partagé, sans domination. À ce moment-là, l'intégralité des problématiques auxquelles nous sommes confrontés est susceptible d'être solutionnée. Cette condition de l'égalité, si elle se poursuit, elle offre la possibilité à l'intelligence collective de s'exprimer, de la prise en compte de l'intérêt général réellement, indépendamment des rapports de force, de la hiérarchie, des verticalités. On peut observer chez les partis politiques, je ne nommerai pas radicalement à gauche, considérant qu'ils sont les porte-drapeaux de cette cause du peuple et de l'égalité, on peut observer dans les coulisses des modes de fonctionnement qui sont aux antipodes de ces principes, qui fonctionnent en fait sur la brutalité. Parle de la France insoumise, là. Je te laisse. Tu as l'air d'en parler, en tout cas. Mais c'est pas impossible. Toujours est-il que tous les partis de la Ve République fonctionnent quand même sur « il s'agit de faire émerger le meilleur d'entre tous, vraiment la meilleure, et tous les coups sont permis pour que ce soit le cas. » D'accord. Et ça me paraît effectivement problématique fondamentalement. On continue à échanger ensemble et on va se diriger petit à petit vers la question des solutions à la crise démocratique. J'ai l'immense plaisir, mesdames et messieurs, de vous annoncer qu'on a un invité supplémentaire et un invité de marque, un invité exceptionnel qui est avec nous en visio. Je vous emmène du côté de Florence, en Italie, où nous allons retrouver le maire de Florence, Dario Nardella, qui nous a envoyé une petite vidéo d'introduction et après on le retrouve en visio dans cette émission. A tout de suite. « 7 septembre, ce n'est pas un rassemblement, ce n'est pas une initiative de parti, c'est un rassemblement de milliers de personnes de toute l'Italie qui veulent construire, planifier et concevoir l'avenir. Nous prévoyons de continuer avec ce gouvernement pour les années à venir, mais il y aura des femmes et des hommes de la Ligue de toute l'Italie et d'autres pays. Ce sera une journée d'amitié, de politique, d'avenir. Il y aura des milliers de jeunes qui, dès la veille, se retrouveront de toute l'Italie pour discuter de l'école, de l'université, du travail, de l'environnement, de la culture. Et ensuite, ce sera le début d'une grande course où la Ligue sera protagoniste. Nous écrivons ensemble une page d'histoire, belle politique et vie en présence. Je vous attends.
C'est un message de Dario Nardella que nous retrouvons en visio tout de suite. Dans ce message, Dario Nardella, bonsoir, merci d'être avec nous en direct. On vous souhaite la bienvenue ici, en direct de Paris. Dario Nardella, vous annonciez dans cette vidéo que le week-end prochain, à Barcelone, vous allez réunir les responsables des plus grandes villes européennes avec l'idée de créer un réseau des villes européennes pour lutter contre le changement climatique, pour parler d'éducation et de formation. C'est quoi votre ambition, Monsieur Nardella ? Vous pensez que les villes peuvent faire mieux que les États ? C'est ça votre idée ? Oui, merci avant tout pour cette invitation. Je voudrais remercier ma collègue et amie Anne Hidalgo et aussi les organisateurs, tout le monde, pour cette opportunité de parler avec vous. En fait, nous avons vendredi soir et samedi matin à Florence ce rendez-vous, ce summit des maires des grandes villes européennes comme Paris, bien sûr, mais aussi Budapest, Reykjavik, Rome, Naples, Barcelone, Zagabre, Istanbul. Et l'idée que j'ai partagée avec la maire de Paris, c'est exactement de donner un nouveau protagonisme aux maires européennes et spécialement aux villes européennes. Parce que nous avons besoin d'engager les communautés locales dans toute l'Europe pour pousser sur les partis européennes et pour avoir une nouvelle politique pour l'Europe. Vous devez considérer que dans notre ville, nous avons les grands défis, comme l'émergence climatique, comme l'immigration, l'inclusion sociale, la soutenabilité du développement durable de l'économie. Et c'est dans les villes que nous pouvons expérimenter des solutions nouvelles, que nous pouvons engager les communautés au niveau local, comme vous avez déjà souligné dans ce débat. Mais le problème, c'est que les villes doivent travailler ensemble. Nous avons besoin de construire un réseau des villes européennes, européistes et démocratiques pour combattre la culture du nationalisme, du souverainisme et du populisme. C'est une culture qui est pratiquement incompatible avec la culture européenne. Dario Nardella. Et si vous... Ce que vous nous dites, c'est que pour vous, le niveau municipal est un niveau d'expérimentation extrêmement intéressant sur la question démocratique pour relever ces défis-là ? Exactement. Parce que nous avons l'habitude de considérer la démocratie locale comme une chose différente de la démocratie nationale. C'est vrai. Mais c'est pas vrai, parce que c'est au niveau local qu'on peut expérimenter des modèles d'engagement, de participation des citoyens. Et c'est au niveau local que nous avons les problèmes plus grands. Pour exemple, la transition climatique. Les villes européennes sont responsables de l'émission de 80% de l'anhydride carbonique. Sont responsables de la production de 80% des déchets. Et elles sont les consommatrices de 80% d'énergie disponible dans l'Europe. Et donc, c'est dans les villes qu'on peut changer les modèles de production et aussi des croissances économiques. Dernière question pour vous, Dario Nardella. Nous qui sommes à Paris ici, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de vous à Florence ? Vous êtes le maire de Florence. Qu'est-ce que Florence a expérimenté ? Qu'est-ce qui marche chez vous en matière de démocratie et qui pourrait nous irriguer ici à Paris ? Mais je pense que Paris est un exemple pour toutes les villes en Europe, bien sûr. Et je pense que la pratique de partager expériences concrètes, c'est la meilleure pour construire des modèles au niveau européen. Mais à Florence, nous avons expérimenté, par exemple, les marathons de la participation. Sont des journées entières d'engagement des citoyens dans les écoles, dans les espaces publics, dans les institutions,
pour partager les décisions stratégiques sur la vie de la ville. Et je dois dire que la participation des citoyens dans cette marathon de participation est très dynamique, très utile, très positive. Et avec ces processus de participation, nous avons construit les programmes du gouvernement de la ville dans ces derniers 5 ans. On va finir et nous avons à la fin un moment de vérifier avec les citoyens des choses que nous avons réalisées grâce à l'engagement actif de la communauté locale. Merci beaucoup. Dario Nardella, un tonnerre d'applaudissements pour Dario Nardella. Merci du fond du cœur d'être venu dans cette émission nous parler de cette expérience. Je retiens le marathon de la participation, j'adore. Voilà, ça va continuer à irriguer nos discussions ici sur ce plateau. On continue à en discuter. Léna, quand tu entends parler du niveau municipal, toi, c'est quelque chose que tu trouves intéressant, vous, chez les Soulèvements de la Terre? Oui, oui. Bon, déjà, j'aimerais dire que sur ces questions-là, ce n'est pas des choses qu'on a débattues. On est une énorme coalition d'organisations, donc j'ai pas de mandat collectif pour parler au nom de toute la coalition. T'inquiète, c'est à toi que je demande. Voilà. mais c'est vrai que nous, on est un mouvement qui s'appuie sur les luttes locales contre les projets polluants et imposés. Et c'est assez intéressant, parce que la plupart des habitants, lorsqu'ils se mobilisent, leur premier motif de mobilisation, c'est le déni de démocratie. Il se trouve que sur la plupart de ces projets, il y a des enquêtes publiques, et donc la plupart des habitants donnent leur avis donc, sur le projet, et dans la plupart des luttes, nous, sur lesquelles on se mobilise, les avis sont très négatifs. On pourrait parler, par exemple, de l'autoroute entre Castres et Toulouse, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, parce que Thomas Braille était dans un arbre devant le ministère de la Transition écologique, justement pour demander l'arrêt des travaux de cette autoroute qui est inutile. Sur Castres-Toulouse, typiquement, il y avait 90% d'avis négatifs à l'enquête publique. Pourtant, l'autoroute passe. Le projet passe en force. Et c'est quelque chose qu'on observe vraiment partout sur le territoire. Et en fait, via ces luttes-là, la plupart du temps, les habitants, ils essaient de reprendre du pouvoir sur leur vie. Et justement, ils essaient de mettre en place une démocratie directe à l'échelle locale. Et il y a une personne de Saillant qui est là. C'est un super exemple. Oui, on en parlait tout à l'heure. À Saillant. Et donc c'est vrai que nous, la dynamique municipaliste, c'est quelque chose dans laquelle on a vraiment envie de s'investir et qui est porteuse de sens pour nous. C'est intéressant cette idée de se mobiliser au niveau local. Je me tourne vers toi, Priscilla Ludowski. Toi, on t'a connu, tu as un parcours intéressant. On t'a connu notamment au moment du mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement national au sens premier du terme. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Tu es porte-parole de Démocratie Ouverte. Pardon? Absolument pas. Absolument pas. Non, mais j'ai travaillé beaucoup avec Démocratie Ouverte, ouais. Donc je connais leurs travaux, mais je ne suis pas. Alors explique-moi du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi, quand tu entends parler de mobilisation citoyenne au niveau local? En écho à ce que vient de dire Léna, avec Marie Toussaint, qui est eurodéputée, on a écrit un livre qui relate une histoire par région de lutte contre les violences environnementales, dont ce cas de l'autoroute Castres-Toulouse, où. On y voit ce que moi, j'observe et que je qualifie de verrou institutionnel, où systématiquement, les mêmes acteurs locaux font blocage, où systématiquement, les collectifs, que ce soit des collectifs d'habitants, d'associations, ou même d'experts qui s'allient à ces collectifs-là pour justement faire la preuve de, soit d'un dysfonctionnement, soit d'un crime avéré et documenté. Et parfois, ces luttes durent de nombreuses années, et où effectivement, on se rend compte que ce sont les mêmes schémas qui sont reproduits systématiquement et où à chaque fois, ils se heurtent aux mêmes obstacles les uns et les autres. Donc en plus de faire plaidoyer pour la reconnaissance des crimes environnementaux, ça démontre quand même un schéma qui se reproduit systématiquement à l'échelle locale. D'accord. On continue à en discuter. Aminata, toi, tu travailles pour l'association qui s'appelle MEC.org. Ce n'est pas une association. Change.org. C'est Change.org, excuse-moi, ouais, j'ai confondu Change.org. Oh, je suis fatigué. excuse-moi. Change.org, particularité, dans la participation citoyenne, vous faites le pari, vous, de la pétition, et notamment de la pétition en ligne, qui est effectivement une modalité de mobilisation citoyenne. On se souvient du mouvement des Gilets jaunes. Priscilla, ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais ce n'est qu'un exemple récent. En fait, la pétition, pour vous, ça peut être central dans le fait, pour les citoyens, de se saisir des outils démocratiques et de parler? Oui, absolument. C'est vrai qu'avec Change.org, ce qu'on observe, c'est qu'on est devenu vraiment un acteur majeur de ces nouvelles formes de démocratie numérique. Et grâce à cette plateforme, les citoyens peuvent vraiment participer aux décisions politiques, mais surtout en dehors des phases électorales classiques, traditionnelles. Ils prennent la parole tout au long de l'année et engagent aussi un rapport direct avec les décideurs. Donc on a un outil qui permet
aux décideurs politiques, institutionnels, entreprises, de répondre directement aux pétitions qui leur sont adressées et ainsi créer un dialogue. D'ailleurs, la maire de Paris a créé un profil sur Changemark pour répondre aux pétitions qui lui sont adressées. D'accord. Priscilla aussi a eu l'expérience via sa pétition que le président de la République a répondu aux 1 million de signatures de sa pétition. Mais après, à l'échelle locale, on voit aussi des opportunités, enfin, des initiatives fleurir pour protéger des espaces verts, mais aussi lutter contre des fermetures d'écoles. Et là, je pense à un exemple très parlant qui permet aussi d'inspirer sur qu'est-ce qui se fait à l'international. Donc, j'ai un exemple de la ville de Mexico City, ouais. Qui avait fait participer ses administrés dans le cadre d'une consultation citoyenne et avait utilisé la plateforme pour inviter les citoyens à lancer des pétitions afin qu'ils puissent inscrire dans leur constitution des articles qui feraient l'objet de nouvelles mesures pour la constitution de la ville. Donc à partir de 5000 signatures, la personne à l'initiative de la pétition pouvait rencontrer un des membres chargés de la rédaction de cette constitution. À partir de 10 000 signatures, on pouvait rencontrer plusieurs membres et 50 000 signatures, l'ensemble des personnes en charge de la rédaction de la constitution. C'est un exemple parmi tant d'autres qui permet de montrer comment on peut faire participer les citoyens au processus de la démocratie. On continue à discuter, on ne va pas tarder à vous proposer à vous la salle de poser des questions à nos invités autour du plateau. Je me tourne, donc réfléchissez à vos questions, levez la main, il y a un micro qui va vous être apporté. Avant ça, je me tourne vers toi, Henri Poulain. On va regarder un extrait de ta dernière série qui s'appelle Utopie. Après démocratie, tu as créé Utopie et je reviens vers toi juste après. Saraya kulakta kunang punja kaitandari kaliari nyukanchi kauna shutichiska apuguna nyukanchi ushaska tupu liangaita paktachiskanchichu manachu paktachiranchi nisha kangunamar rikuchingawa kaitandari achum wanguringawa tandari sinjiangawa tandari Kushianga watandari, muskusha nyaupangma ringa watandari, ama achum chini nakunga watandari, ama achum kami nakunga watandari, ama achum pinya nakunga watandari, achum ushaita hapisha, chutachisha, sakina tandari, nyukanchilakpias, wawaguna chiyuaita hapisha, nyaupaktama hapisha rinauchum, katisha rinauchum chutachisha. Merci Henri de nous donner la possibilité d'aller voir comment la démocratie peut s'expérimenter de cette manière-là à l'autre bout du monde. Pourquoi l'utopie ? Pourquoi ce titre ? Alors c'est l'utopie avec un point d'interrogation. On interroge la question d'utopie. Ouais. Ce sont des utopies concrètes. Alors là, en l'occurrence, Sarayaku, ça se passe en Amazonie équatorienne, au nord de l'Amazonie. Une population de 1500, une communauté de 1500 habitants qui, depuis des temps immémoriaux, mais de manière un peu plus structurée depuis une trentaine d'années, pratique une sorte de démocratie directe. Avec une ingénierie assez complexe de démocratie directe. C'est pas juste de se réunir pour discuter et décider ensemble, c'est tous les six mois, l'ensemble de la communauté se réunit pendant quatre jours et quasiment quatre nuits pour débattre de toutes les questions. Et puis, sur chaque thématique, éducation, santé, économie, autonomie financière, des commissions qui réunissent la quasi-intégralité également de la population se réunit tous les trois mois. Donc c'est une activité extrêmement active. Et une démocratie totalement directe au sens où jeunes et anciens, bien sûr femmes et hommes, mais parfois également des étrangers de passage, participent à ces temps d'assemblée, de discussion. Mais également, et c'est une singularité qui est aussi propre à l'anthropologie, à la singulière de ce peuple, mais également l'ensemble des êtres vivants. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'espèce sapiens qui est convoquée, la communauté, mais également les plantes, les animaux, et c'est pas de la coquetterie ou c'est pas un récit un peu fantasmé, c'est une réalité vécue comme telle. C'est également au nom de l'intégralité du vivant qu'ils s'y réunissent pour décider collectivement. Et d'ailleurs, les êtres vivants, autres non doués de parole, leur communiquent leurs désirs par le biais de rêves et se réunissent la nuit aussi pour échanger sur ce qu'ils ont reçu dans le cadre du rêve. Et c'est très sérieux. Hein, c'est intéressant. Et tant et si bien que la décision collective intègre l'intégralité du vivant. Le distinguo de nature-culture n'est pas fait. Descola l'a bien raconté et le distingue bien. On est dans une harmonie assez exemplaire.
On a parlé de pétitions, on a parlé d'utopies concrètes, on a parlé de mouvements locaux, on a reparlé rapidement aussi du mouvement des Gilets jaunes. Je me tourne vers vous, Loïc Blondiot. Quand vous entendez toutes ces propositions, ces suggestions, ces idées, ces innovations, est-ce que vous y voyez des solutions ou est-ce que c'est une douce utopie que de voir des solutions ? Avant de revenir à une esquisse d'inventaire des solutions, je voudrais revenir sur ce passage qui me paraît très très important, ouais. À plein de titres. D'abord, pour dire que le Sud peut nous apprendre beaucoup sur la démocratie. C'est-à-dire que, effectivement, l'atrophie de nos institutions, elle amène à penser qu'il faut penser différemment les manières de vivre ensemble. La deuxième chose, c'est que la démocratie, c'est pas un sport de spectateurs, et nous l'avons transformé en Occident en un sport de consommateurs et de spectateurs. On consomme de la politique, on ne fait qu'élire. On ne l'expérimente pas, cette démocratie. La démocratie, ça doit être une forme de vie, ça doit être des attitudes, ça doit être des compétences, ça doit être la capacité à prendre la parole, la capacité à écouter l'autre, ça doit être des valeurs, considérer que l'autre est un égal et effectivement lui faire une place dans la discussion. Or, ça a été dit, sur ce plan-là, aujourd'hui, nous avons régressé. C'est-à-dire que la polarisation générale de l'opinion, le fait que l'autre soit considéré comme un ennemi, comme un adversaire, nous empêche, plutôt que comme un adversaire qu'on doit essayer de convaincre, nous empêche d'être en démocratie. Donc je trouve que cet extrait est très parlant, et ce que disait Henri sur la nouvelle frontière de la démocratie, la nouvelle utopie qui me paraît absolument essentielle, c'est la question aujourd'hui de la représentation de la nature et des non-humains dans nos dispositifs délibératifs. Je participe en ce moment à une expérience absolument fascinante d'Assemblée populaire du Rhône, où on a demandé à un groupe de citoyens de réfléchir justement à cette question. Comment représenter le Rhône ? Comment organiser finalement sa gouvernance à partir de modes démocratiques ? Et c'est vraiment quelque chose qui me paraît absolument central. Le fait aujourd'hui que nous ne représentions que des intérêts humain à court terme dans nos systèmes de gouvernance est absolument catastrophique, accélère la catastrophe qui arrive. Alors, pour répondre à ta question très rapidement, parce que je sais qu'après, j'aurai plus la parole. Non, il y aura des questions de la salle après, mais il va falloir qu'on conclue, tu as raison. Ce qui est formidable dans ce moment d'incertitude, de crise et de fragilisation de la démocratie, c'est qu'il y a un retour de l'imagination démocratique et on a plein d'options possibles. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a plein d'options sur la table, on peut même les combiner. La première option, c'est tout changer et c'est changer de constitution. Et il me semble qu'il serait urgent, parce que notre constitution, elle nous enferme dans un modèle de démocratie, il serait urgent aujourd'hui de réfléchir à ce que pourrait être un processus constituant qui soit réellement démocratique, qui fasse participer tous les citoyens. On a le Chili qui nous a donné l'exemple de ce que ça pouvait donner. Malheureusement, évidemment, le référendum à l'issue a été défavorable. Deuxième option, c'est l'option locale, c'est l'option municipale, c'est l'option communale. Il y a plein de gens qui se disent, de toute façon, c'est foutu à l'échelle nationale, on va refaire la démocratie à l'échelle locale. Et pour répondre à une question qui a été posée dans la première partie par Aude, je crois, aujourd'hui, il y a 60 municipalités au moins qui sont issues de listes citoyennes, y compris dans des villes de taille significative. Je pense à Poitiers, je pense à Annecy, qui sont des villes qui essayent d'expérimenter de nouvelles formes de gouvernance, et ça me semble très intéressant. Il y a la voie plus modeste de la réforme. Je crois qu'on pourrait changer beaucoup de choses en introduisant la proportionnelle. Je crois qu'on pourrait changer beaucoup de choses en réfléchissant à ce que pourraient être des moyens de lutte contre la concentration des médias. Pour faire écho à ce qui a été dit, tout à l'heure, il est absolument anormal que 10 milliardaires, 10 oligarques possèdent 90% des médias dans ce pays. Il faut vraiment mettre cette question sur la table de manière définitive. Donc, c'est pas que la Constitution. Voilà, c'est pas que la Constitution, c'est le financement des élections. Hein. Tout ça, ce sont des réformes qui pourraient avoir, à mon avis, une importance et produire des changements considérables. Et puis la dernière voie, c'est la voie dans laquelle... Alors, il y a la voie référendaire.
référendaire. Moi, je pense très sincèrement que l'heure est venue d'avoir un vrai référendum d'initiative citoyenne en France. L'exemple suisse a été donné. Ça pourrait s'expérimenter à l'échelle locale, mais ça doit pouvoir s'expérimenter aussi à l'échelle nationale. Aujourd'hui, on a un pauvre RIP, référendum d'initiative partagée, qui est une caricature, qui est quelque chose d'absolument incroyable. Et puis la dernière voie, c'est la voie délibérative. Et c'est pour ça que moi, je m'engage, je milite, à l'image de la Convention citoyenne pour le climat, c'est démontrer qu'en associant les citoyens à la construction de la décision, on produit des décisions plus justes, c'est impératif, parce que la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne, elle est fortement influencée par ceux qui ont déjà le pouvoir dans la société, le pouvoir économique à travers les lobbies, et par ceux qui votent. Et ceux qui votent, ce sont les catégories les plus âgées, il faut dire les choses, et ce sont les catégories les plus favorisées de notre population. Notre démocratie représentative est biaisée sur le plan sociologique. Et donc, introduire des dispositifs fondés sur le tirage au sort permet d'avoir une grande diversité d'expériences et d'aller chercher la parole de ceux qui, dans la démocratie représentative, n'ont pas de voix, n'ont pas de représentation. On continue. Donc, multiplions les conventions citoyennes. Après, j'arrête, je vous promets. Non, mais c'est ça qui est génial avec toi. C'est mon habitus de prof. Mais non, mais t'as raison, parce que t'as plein d'idées. Merci pour les pistes, pour mettre les choses sur la table. Et voilà, cette voie délibérative, elle me semble absolument essentielle. Et elle s'expérimente aujourd'hui dans certaines villes. Il y a Paris, il y en a d'autres. Et c'est vraiment très intéressant. Je m'en voudrais à mort de faire une... Ah bah voilà, un applaudissement pour Luc Blondiaux. Merci vraiment pour ces pistes de réflexion. Ça nous ouvre l'esprit. Je m'en voudrais à mort de faire une émission entière sur la démocratie sans finir en vous donnant la parole. Si vous avez des questions dans la salle, levez la main, on va vous apporter un micro et on va le faire à l'ancienne, on va prendre une série de quelques questions, ok? Vous notez tous dans vos têtes les questions et ensuite vous y répondez. Alors, je vous fais confiance. Allez-y, monsieur. Bonjour, je m'appelle Grégoire, je suis habitant de Paris, dans le 11e. Vous parlez très bien, et merci pour vos enthousiasmes et vos super tables rondes, de la démocratie d'en haut, de la démocratie institutionnelle qui a plein de progrès à faire pour être efficace sur les questions de gestion. Et il a été dit plein de belles choses. Il y a quand même plusieurs réactions qui représentent des mouvements, des jeunes, avec ou pas les bons chiffres. Il y a quand même la démocratie d'en bas, celle des cœurs, celle des valeurs qui nous inquiètent avec des voisins. Alors on mène des expérimentations en se disant qu'il faut aussi qu'on redonne le goût du collectif. Donc on est un petit peu loin de ces processus qui ont tout leur mérite. Mais on se dit qu'en même temps, il faut qu'on ait cette action-là, qui peut paraître modeste, qui d'ailleurs souvent est ridiculisée, parce que les défis font peur, et on a un souci d'efficacité qui amène souvent à penser que la convivialité, on n'a pas le temps, quoi. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive plus à discuter, on n'arrive plus à passer du bon temps, on n'arrive plus... Donc on se dit... Est-ce que vous avez une question ? Eh bien oui, j'aimerais votre réaction sur ça. Nous, on propose des expériences un peu avec les conseils de quartier, qu'on essaye de un peu avec une association de micro-villages, etc. Et en fait, ça marche. On réapprend par l'expérience à faire confiance, à discuter, à passer du temps. Et nous, on pense qu'on sème des choses démocratiques, mais souvent, on est considéré comme vraiment du divertissement un peu, on n'a pas le temps, quoi, voilà. Donc j'aimerais, vous qui êtes très engagé assez haut niveau, entendre votre réaction sur ce petit côté, mais qu'on doit tous avoir dans nos vies. Merci et bravo pour ce que vous faites, merci vraiment. On continue, est-ce qu'il y a une autre question? On fait passer la parole, il y a un monsieur juste devant là, hop, qui a levé la main, ouais. Oui, bonsoir à tous, je vous remercie. Alors je me posais une question très sincèrement, puisqu'il y a eu des beaux débats, il y a eu des belles discussions. Mais ce qui revient souvent comme solution à une certaine crise de la démocratie, c'est remettre du local. Ouais. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, la prochaine élection qu'on juge comme étant bon, l'élection, le juge de paix de la démocratie, c'est une élection qui est européenne. C'est des élections européennes. La question qui se pose, et que je me pose très personnellement, c'est à savoir si, à vouloir solutionner les questions démocratiques, par le local, on va devoir forcément laisser l'Union européenne de côté ? Ou est-ce qu'on peut réussir à trouver une solution à la crise démocratique tout en rendant aussi l'Union européenne beaucoup plus démocratique ? Okay.
Merci beaucoup. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y en a une dernière? Une femme, madame, ce serait super, merci. Une femme qui est juste là, si vous pouvez lui donner la parole. Et on prépare un tour de réponse et ensuite on va devoir conclure cette émission, même si on pourrait durer encore. Une question très courte, madame. Promis. Certaines lois ont été changées parce qu'un certain nombre de citoyens ont dit non. Alors, on va penser par exemple au droit à l'avortement ou des choses comme ça. Donc ma question, c'est, est-ce que la désobéissance civile fait partie de la démocratie? Ok. Oui, oui. Je pense que je vois des oui de la tête du côté de. Je sens visé. Mais on va en parler. Merci beaucoup pour cette question. Un tour de réponse. On peut commencer par cette question-là, peut-être sur la désobéissance civile, Léna. Mais oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça quand on a été dissous. Bon, là, la dissolution est suspendue. D'ailleurs, on attend le délibéré final. Mais on estime qu'on a le droit d'exister en tant que mouvement de désobéissance civile et que c'est tout à fait sain dans une démocratie d'avoir. Ce mode de contestation, on ne peut pas se résumer qu'à ce qui est possible légalement. Et comme je l'ai dit, nos luttes, en plus, elles sont basées souvent sur des questions qui sont vraiment démocratiques, sur des communes qui sont fortement opposées à des projets et qui, malheureusement, ne sont pas du tout entendues dans le système politique institutionnel actuel. Et en effet, vous avez tout résumé, on n'aurait pas le droit de vote en tant que femme. S'il n'y avait pas eu de la désobéissance civile, il y a plein d'acquis sociaux qu'on a obtenus aussi via de grandes manifestations et via des actions qui n'étaient pas toujours légales. Donc pour nous, en effet, c'est essentiel. Sur la question de la démocratie d'en bas dont vous parliez, monsieur, c'est une question intéressante. Qu'est-ce qu'on peut répondre à un citoyen qui se sent moqué quand il essaye, au niveau de son conseil de quartier, de son micro-quartier, d'innover? Priscilla. Ce que j'entends dans ce que disait monsieur, c'est le fait qu'il n'y ait pas tellement de succès lorsque des initiatives locales sont mises en place, que ce soit par les élus ou par les associations. Et je rappelle juste qu'on est dans un contexte de très grosse défiance des gens en général vis-à-vis des politiques et du système démocratique. Et si on repart des cinq principes qui sont censés faire notre démocratie, on ne peut pas parler uniquement d'un point de vue technique de ce qui fait la démocratie, mais aussi de d'autres volets, comme celui... Alors, si je prends le premier principe, l'un des cinq... l'état de droit et l'égalité devant la loi, où on voit que certains ne sont pas logés à la même enseigne, et du coup, ça fragilise sa confiance en un système si on considère qu'on n'est pas tous égaux devant la loi. Il y a le fait de voter pour des représentants, alors même que 18% des Français considèrent que les décisions politiques ont un impact négatif sur leur vie au quotidien. Comment faire confiance dans ce contexte-là, et comment se rendre à des conseils de quartier si, finalement, la décision prise n'a pas d'impact positif sur la vie des gens? On peut parler aussi du système de vote, qui, selon moi, est défaillant, mais selon plein d'autres associations aussi ou les experts. C'est quand même pas normal que dans la sixième puissance mondiale, on ait 3 à 5 millions de non-inscrits sur les listes de vote ou 6 millions de mal-inscrits. Toutes ces petites lacunes cumulées font que le système il est défaillant et où les gens considèrent que la démocratie française est en danger. Je rappelle que sous l'ère Macron, je parle des deux mandats, on a été déclassé à deux reprises comme démocratie défaillante du point de vue de l'indice des deux économistes. Et si on ne s'attaque pas aux racines de ce qui fait la démocratie, et si on n'ose pas la remettre en question, si on n'ose pas reconsidérer la manière dont on fonctionne, un autre des piliers, c'est le fonctionnement des partis politiques. On peut aussi questionner le fonctionnement des partis politiques, la représentativité au sein des partis politiques et donc la représentativité au sein des institutions. Et si tous ces sujets-là ne sont pas traités, je vois mal comment, d'un point de vue local, ça peut fonctionner. D'accord. Changer la démocratie au niveau local, expérimenté très bien, mais quid du niveau européen? Loïc Blondiaux, et ce sera le mot de la fin. Alors, le niveau européen, vaste programme. Ce sera très très compliqué, d'autant que ce qui s'annonce avec l'arrivée en force de l'extrême droite au Parlement européen est quand même assez préoccupant du point de vue de la démocratie. Notez qu'il y a quand même des expériences intéressantes. Il y a eu une conférence sur l'avenir de l'Europe avec des citoyens tirés au sort qui a réfléchi finalement à ce que pourraient être de nouvelles institutions européennes, et ça a produit des choses dans le vase clos de cette, entre guillemets, de cette démocratie européenne, mais qui est quand même d'un type très, très particulier. Il y a un point qui me paraît essentiel dans ce qui a été dit, et un aspect de cet effondrement de la démocratie dont on n'a pas du tout parlé, c'est la question des libertés. C'est-à-dire que la démocratie, c'est le fait de pouvoir décider sur un pied d'égalité, mais c'est aussi le fait de voir ces libertés individuelles
individuels et collectifs protégés. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est quand même à une forme de régression assez forte, hein, à peu près dans tous les pays, mais surtout en France, de nos libertés, et nous ne faisons rien. Et donc, s'il faut que les gens se mobilisent pour obtenir plus de démocratie, il faut aussi que nous réagissions de manière plus ferme sur ce qui est en train de se passer au niveau du déclin de nos libertés. Alors, on n'a pas le temps de faire l'analyse de ce qui est en train de se jouer, toujours souvent au nom de l'urgence, au nom de la sécurité, au nom d'un impératif de sécurité, mais il y a une vraie problématique de déclin subreptice de nos libertés. Donc, il faut qu'on se mobilise pour la démocratie et pour préserver le peu qui nous en reste encore. Merci beaucoup à vous cinq pour ces échanges absolument passionnants. Merci du fond du cœur pour ces discussions qui pourraient continuer encore longtemps. Et continuons-les, elles sont absolument passionnantes. Pour ceux qui sont ici à l'Académie du Climat, on va se retrouver à la buvette pour continuer à discuter. Merci à l'Académie du Climat de nous avoir accueillis dans ses murs. Merci à la Ville de Paris d'avoir rendu possible cette émission. J'en profite, si vous êtes parisienne et parisien, il vous reste que 4 heures pour voter au budget participatif. Ça termine à minuit, vous n'avez pas le droit, après avoir regardé cette émission, de ne pas aller voter au budget participatif. Allez hop, vous jouez tous sur le site de Paris.fr. Vous allez voter, il vous reste que quelques heures. Merci à tous mes intervenants qui sont venus sur ce plateau échanger dans un format pas toujours facile. Merci à vous pour vos questions. Merci à mes deux chroniqueurs, Monsieur Phi et Hugo Micheron. Merci à mes équipes techniques. Merci à toutes et à tous. C'est la fin de cette émission. Ciao, bye bye.
Thank you.